Ok, mon nébuleux, par contre. Alors du coup, monde 2, c'est le monde un peu des nuages. Monde 3... Et le monde 2, il a l'air incroyable. Il a l'air incroyablement beau, je pense, là. Monde 3, ça a l'air d'être un monde un peu... type sableux. Putain, oh, mais les gars... le chara-design des... Enfin, pas le chara-design, le comment on appelle ça? Ah putain, j'arrive pas à parler. Le design, quoi, tout court, en fait, du jeu, là, fait que, perso, je n'ai aucune idée de ce que vont être les autres mondes, là, tu vois. Genre, ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. À droite, on dirait un peu un truc type désertique. On dirait qu'il y a un oasis un peu à droite, là, au-dessus de ma tête. Là, juste à gauche, là, ça a l'air d'être un peu un truc un peu type empoisonné, type le monde un peu de la forêt, tu vois, de tous les jeux Mario. Et le monde au fond, là-bas, ça a l'air d'être un monde un peu volcanique, donc je dirais que c'est le sixième monde. Et je pense qu'en fait, ça va faire un peu dans l'ordre. Donc genre, monde 2 là-haut, monde 3 là-bas, monde 4, monde 5 et monde 6, du coup, tout là-bas. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Par contre, ça a l'air vraiment trop beau, hein, par contre. Hein. Ouais, le style graphique, c'est ça, la DA, en fait, c'était le mot que je cherchais, quoi. Le monde 2 fait penser au monde 7 de Mario Bros. Wii, de vue comme ça. Ouais, un peu, quand même, hein. Le monde est vérifié, Twitter Blue, let's go, c'est vrai, hein. C'est vrai que le monde est vérifié, Twitter Blue. Bon, on avance ou quoi, en vrai? Qu'est-ce qu'on fait? Ça vous dit l'équipe, on avance ou perso, on s'arrête là? En vrai, moi, je trouve que ça manque de panneaux, personnellement. Hein. Personnellement, je trouve qu'on n'a pas fait assez de panneaux d'or, hein, pour l'instant. Hein. Ce voyou a fait fuir tous les poissons, il n'y a pas moyen de pêcher avec lui dans les parages. C'est terrible, je dois absolument intervenir, ne t'inquiète pas, nous chasserons Bowser. Et les poissons reviendront dès qu'il sera parti, je te le garantis. Vous allez vraiment faire ça pour moi? Vous le voyez, le petit pinceau, il s'est ouvert là parce qu'il était content. J'ai les pétales qui frétillent à cette simple pensée. Je peux vous aider, prenez cette graine prodige que j'ai pêchée il y a longtemps. Valier vient de me répondre, je lui ai dit, alors toi aussi tu as vape, je m'en doutais. Valier vient de me dire, toi aussi, en comptant comme ça, il m'a dit, j'espère que tu ne sous-entendais pas Lib, parce qu'il ne cheatait pas. Il m'a dit... il me fume ce mec. Hein. Bon allez, c'est parti. Ah non mais attends, non, c'est pas du tout parti en fait. C'est absolument pas parti en fait. Attends, mais avant d'aller au monde 2, je dois me taper un autre monde intermédiaire là? Mais le jeu est tellement long, what the fuck? Le jeu est tellement long, j'ai l'impression. Défi badge, coup du dauphin 1. Même en cas d'échec, vous perdez pas de vie dans les défis badge. Oui, je suis au courant maintenant, je commence à comprendre. Maîtriser le badge, alors c'est quoi? Sous l'eau, appuyer sur R ou secouer la manette pour accélérer brièvement. Oh non, putain, c'est vraiment un niveau de... C'est vraiment un niveau aquatique. Bon, fais voir, attends, je vais essayer le gameplay sous l'eau quand même. Ok, alors ça a l'air vraiment masterclass. Ok, non, ça a l'air vraiment masterclass. Alors je vous préviens, je vais juste spammer le bouton R, ça va être absolument infâme pour vous. Hein. Je vous le dis juste, histoire que vous soyez au courant là. Ah ouais non, c'est... Faut que je rattrape ces pièces là. Vite! 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 Non! Je veux mes pièces! Mes pièces! Mes pièces! Mes pièces, monsieur! Mes pièces! Oui, ok. Mes pièces, monsieur! Donnez-moi mes pièces! Donnez-moi ma thune! Je suis en train de spammer. Mais je spam. Ok, je veux avoir ma deuxième pièce violette, là. Je veux ma pièce. Non! Donne-moi la pièce! La pièce! La pièce! Merci. Ok, et l'autre? Ah merde, l'autre, elle est en face. Hein. Je l'ai vue. Ouah, c'est quoi ce niveau de zinzin, là? J'ai le seum, là, en fait. Oh les bâtards. J'ai pas été assez rapide. J'ai pas été assez rapide les amis. Oh les bâtards, je me suis fait bait. J'ai pas été assez rapide. Ok, je recommence. Ok, c'est pas grave. Cette fois ça va être bon. Après je sais pas si j'ai bien compris. Oh mais attends, mais c'est hardcore ce truc non? Ce niveau il est hardcore là. Genre tu te prends un mur, t'es fini au pipo quoi en gros, c'est ça l'idée. Mais mec, le niveau est hardcore ou je rêve là? Ah ouais, mais attends, mais en fait le niveau est hardcore, non? Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris, non? Attends. Non, je pense juste que c'est dur en fait, hein. À mon avis, je pense que c'est dur, non? Je pense juste que c'est ça en fait. Tu peux couper pour être plus rapide. Hein. Ah ouais? C'est hard en vrai le 100%. Bah tant mieux en vrai, hein. T'es pas obligé de suivre leur chemin. Ah, faut juste prendre des shortcuts hein. Ok. T'aimes le jeu pour l'instant ou pas? Ouais, carrément, ouais, bien sûr. De ouf, hein. J'adore le jeu en vrai même. Je le trouve trop bien.
Ouais, en gros, faut faire des shortcuts correctement, quoi. Ok, donc là, par exemple, là, tu peux monter là-haut, t'es pas obligé de faire tout le tour, ok. Là, je vais déjà récupérer ma première pièce, ok. Là, je peux directement aller en bas, du coup, pour gagner du temps. Et là aussi. Ok, c'est ça qu'il faut faire, ok. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon, c'est ça qu'il fallait faire. Vite ! Voilà ! Let's go ! Ok, c'est ça. Fallait juste cut correctement et pas suivre le chemin. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas con, en fait. Hein. Dit comme ça. Oh, par contre, les amis, moi, j'aurai plus de doigts à la fin de cette session, je crois. Hein. En vrai. Hein. Genre, on aura plus de doigts, je pense, à la fin. Hein. Eh, ben, c'est parfait ! Nickel ! Ok, bon, en vrai, le tuto, il était cool. Le tuto était cool, mais en plus, il était même pas simple, tu vois. Genre, c'est pas évident, je veux dire, tu vois. Il faut que tu t'entraînes plusieurs fois avant de prendre le truc en main, donc c'est cool, quoi. Ouais, très content pour l'instant, très content du jeu. Hein. Franchement, pour l'instant, masterclass, hein. On va pas se mentir, hein. Pour l'instant, c'est... petite masterclass du jeu, là. Ouais, j'aime bien. Ok, on continue. Beau travail, en plus, on a reçu le badge que tu viens d'utiliser en cadeau. Je peux m'en équiper si tu veux. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Bassin des Limanges, 2 étoiles. C'est parti. On va pas se spoiler, bien sûr. Mais si jamais je suis en galère, je donnerai ma langue au chat. Pour que vous puissiez m'aider. Mais ça devrait aller, je pense. Oh. Des mobs qui mangent le sol. Ok. Je vais écouter un peu la musique, là, en fait. Est-ce qu'on peut les buter avec des flammes? Je pense pas, parce que vu que c'est de l'eau... Ah si, on peut les buter. Ok, on peut les buter. Ça c'est bon à savoir, ça. Ok. Par contre, tu vois, je préfère le gameplay pas éléphant. Le gameplay éléphant, le perso est trop gros. En fait, il prend trop de place, hein, je trouve. C'est ça, le problème. C'est trop... comment dire? Les déplacements sont gênants, je trouve, avec l'éléphant. Bah, après, le pouvoir est un peu cheaté. Donc, en fait, c'est normal, en vrai, que les déplacements soient un peu plus chiants, quoi. Mais en fait, il faut que je mette le truc dauphin, en fait. Hein, je suis en train de me dire, là. Bah oui, il faut que je mette le truc dauphin, en fait. Sinon, je vais juste canner, en fait, là. Bah ouais, en fait, non, mais j'ai pas le choix de mettre le truc dauphin. Eh, prochain niveau, je mets le truc dauphin, hein, rien à foutre, de toute façon. Mais c'est ça que j'aurais dû faire. Je peux pas changer mon badge en plein milieu? Bah non. Bon, je vais faire le niveau comme ça, et puis au pire, si jamais je suis Keblo, je recommence avec le dauphin. Hein. Oh là là. Ok. Ok, ils sont partis dès que je suis apparu, donc c'est nickel. Ok. Ok. Par contre, tu vois... Je trouve que le perso là est hyper hyper agréable, quoi, à contrôler, je trouve. Hein. Franchement, quand le perso est en fleur de feu, par exemple. Ouais. Vraiment un plaisir. Y'a pas un truc là-haut là? Ça sent le truc caché là-haut, hein. On va pas se mentir. Hein. J'espère qu'on n'est pas limité à 999 pièces violettes en vrai là. Oh merde. J'espère qu'on n'est pas limité à 999 pièces violettes, comme ça au moins je pourrais essayer d'en faire un peu la collection. On va voir tout à l'heure. Ok, pour l'instant ça va. Petite fleur de feu, d'accord. Y'a pas un petit truc caché là-haut là? Attends, j'ai combien de pièces là? J'ai les deux? Ok. J'ai les deux premières, il manque la troisième du coup. Je pense qu'il va y avoir une fleur prodige là-dedans. Ouais, il y a une fleur prodige. Donc du coup, elle doit être cachée dans un... Voilà. Voilà où elle doit être cachée. Voilà, c'est exactement ce que je me disais, dans un courant comme ça. Voilà. Voilà les gars, en fait. J'ai trop joué au jeu Mario, en fait. C'est ça le problème. J'ai trop joué au jeu Mario. Ils ne peuvent plus m'avoir, en fait, maintenant. C'est fini. Ils ne peuvent plus m'avoir. Ah mais non, ok, c'est pas pour la fleur prodige, en fait. Oh, j'ai le seum un peu, du coup. Ah, quoique, attends. Faut peut-être avoir toutes les pièces bleues là. Ouais. Non! Faut peut-être avoir toutes les pièces bleues, mais je pense pas. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Je pense pas qu'il faille avoir toutes les pièces bleues. Je pense juste qu'elle est cachée un petit peu plus loin. Ou alors c'est vraiment ça, parce que... Attends, là je dois être à la fin du niveau là, du coup là. Ouais. Là je dois déjà être à la fin du niveau, donc je sais pas. On va voir. Parce que là ça m'étonne un peu, tu vois. Ouais. Je pense que je l'ai mis, ça, à mon avis. Je pense que je l'ai raté. Elle doit être quelque part, mais je sais pas où. Ah non, elle est pas quelque part. Elle est juste devant moi, quoi, en fait. Non? Qu'est-ce que c'est que ce merdier?
Qu'est-ce que c'est que ce merdier, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ce jeu, en fait? En fait, c'est bien parce que chaque fleur prodige t'étonne encore plus qu'avant, quoi. En fait, c'est ça qui est cool. Hein. Chaque fleur prodige, t'es encore plus surpris que la fois d'avant, quoi. Par contre, c'est tout orange, c'est tout joli, c'est incroyablement beau, là. C'est magnifique, hein. J'adore. J'adore. J'adore l'équipe. Attends, lui, il va sortir pour de la merde, maintenant. Ah, j'adore, je trouve ça trop beau. Je vais me mettre là. En vrai, je vais me mettre au milieu, comme ça, au moins, il libère les deux passages au passage, là. Les deux passages au passage. Yes, I... Oh, t'es où, bro, là? Oh, non! Je crois qu'il va... Ah, je sais pas s'il chope le... Si, c'est bon, je crois que c'est bon. J'ai pas le temps d'attendre, hein. Désolé, les gars. J'ai pas le temps. Hop. J'ai pas le temps. Merci, Coco. Ça va super, mec. C'est bon. Je passe en dessous de lui. Je savais pas si j'avais le temps ou pas, mais c'est bon. Et dernière pièce pour la fleur pour faire le 100% du monde. En vrai, le jeu est vraiment chill, hein, pour le coup. Franchement, pour l'instant, pas trop de difficultés, pour être honnête. Mais le jeu est bien, donc c'est cool, quoi. C'est très chill. Nickel. Graine prodige. Déjà, ça, c'est bon. Déjà, ça, c'est nickel. Bah voilà. Regardez-moi ça, les amis. Il y a un truc à gauche, là. Hein. Ouais, il y a un truc à gauche, là. On est d'accord, hein. Il y a un truc, là-bas, là. Ouais. Ah non, mais c'est là. Ok, c'est le niveau normal, ça. C'est le niveau normal sans la graine. Ok. Et on arrive à 900... 800 pièces, hein, quand même. Hein. Pétard. 800 pièces. Ça porte un nom, là, ces pièces? Les pièces violettes, les gars? Vous savez si ça porte un nom ou pas? Et voilà. 800 pièces. Oh non. Alors. Alors, comment je vais monter là-haut? Non, je vais devoir me retaper le niveau. Non, c'est trop grave. Attendez, peut-être pas. Ah si, putain, faut que je me retape le niveau. Je vais péter les plombs. Non, je dois me retaper le level. Déjà que j'aime pas les niveaux aquatiques, si je dois les faire deux fois en plus. C'est pas possible. J'aimerais bien faire de l'UHC avec toi un jour. C'est possible? Bah oui, parce que je vais faire des games sur le serveur, donc oui, tout à fait. Du coup, on va faire des games aussi publics. Oui, c'est possible. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Du Super Mario Bros 2, ça prend 30 minutes pour finir le jeu. Ah bah oui, après, par contre, effectivement... Bah après, les jeux Mario, en général, tu peux y jouer comme tu veux. C'est-à-dire, tu peux prendre ton temps, tu peux les speedrun un peu comme tu veux. Enfin, c'est... Voilà. Mais oui, hein. Merci, Talinx. Les pièces violettes, les pièces fleurs, ils le disent au début. Ok. Ça marche. N'oublie pas que tu peux wall jump à l'infini. Putain, j'ai oublié un truc, les gars. N'oublie pas que tu peux wall jump à l'infini. Ouais, si j'ai le badge, hein. Parce que là, j'avais pas le badge, hein. Parce que tu peux wall jump si t'as ça, quoi. Moi, j'ai pas le badge, j'avais le para-chapeau. Mais non, mais au pire, c'est bon, hein. Je prends le coup du dauphin, ça ira très bien, quoi. Mais non, mais attends, mais si j'ai le coup du dauphin, comment je finis le niveau? Je peux pas, en fait. Bah ouais. Peut-être prendre ça, du coup. Parce que si je prends le... Parce que le truc, c'est que le dauphin... Non, mais en vrai j'ai trollé, hein. J'aurais dû finir le niveau, là. En vrai, j'ai trollé. J'aurais pu l'avoir facile, en fait. Faut que je refasse avec ça, parce que sinon, je vois pas comment, en fait, tu peux atteindre le drapeau de fin, en fait, sinon. Mais attendez, je vais voir. C'est pas grave. Tant pis, je me retape le niveau encore en étant hyper lent comme Jaja, là, mais c'est pas grave. En fait, ouais, le truc, c'est que je vois pas comment les drapeaux, tu peux les obtenir pour la plupart sans... Parce que là, je vois pas comment tu... Enfin, je sautais pas assez haut pour l'avoir, quoi. En fait, en gros. C'est ça, le problème. On va voir, attendez. Je vais speedrun le niveau, là. Je vais speedrun là. Oh, l'enfoiré. Je vais quand même pas perdre ma deuxième vie dans le jeu sur un mob comme ça, quand même. Quand même. Quand même pas perdre ma deuxième vie. T'imagines, je suis mort qu'une fois, réellement. Ah non, deux fois, je crois. Oui, deux fois. Non, trois fois, en fait. Parce que je suis mort deux fois au niveau... Non, j'ai rien dit, en fait. Non, je suis mort bien plus que ça, en fait. J'avais oublié que j'avais fait le niveau hardcore, en fait, là. J'avais oublié.
Bon, allez, vite, on termine le niveau, là. Vite, vite, vite. Ouais, mais allez, vous êtes trop long aussi. J'ai pas le temps d'attendre, moi. J'ai pas le temps, là, les gars. J'ai pas le temps, là. On se dépêche, hein. On est des gens pressés, nous, dans la vie, les gars. On a pas le temps d'attendre, hein. Je prends pas la graine, évidemment, parce que j'ai pas envie de me retaper le passage avec la graine. C'était long, donc j'ai pas envie de le refaire. Là, j'attends. Ok, là, c'était la fin de la graine, du coup, ici. Voilà, et donc, moi, je pense que la manière la plus simple de le faire, ici, c'est de mettre... Bah non, mais en fait, j'avais pas vu que je pouvais sauter là, en fait. Enfin, oui, j'avais pas vu, en fait. Ah non, mais je suis trop con, j'avais pas vu, en fait. Par contre, du coup, si t'as pas le truc pour fly, hein, tu l'as pas, le drapeau, là, on est d'accord, là? Si t'as le dauphin, là, tu l'as pas, le drapeau, là? Ah ouais, mais du coup, ça va être chiant, en fait, si on est obligé de faire tous les niveaux aquatiques sans le dauphin pour avoir le drapeau à la fin, Ah ouais, hein. De toute façon, je crois que c'est fini, hein, je crois, non? Je crois que c'est le dernier niveau, là, non? Ah non, pas du tout, attends. Ah oui, ça doit être le dernier niveau, celui-là, du coup. Ça doit être ça, je pense. Grotte maritime des Piafilou. Bon, bah, on va voir, hein. Ah ouais, ça passe large sans? T'as pas fly avec la casquette, hein? Bah, si, non, j'ai fly, non, à la fin, non? Tu peux faire des vrilles dans les airs. Ah bon? Attends. Ah mais oui, on peut faire ça quand même. Oh bah c'est bon, bah large en fait, ça passe large. Mais moi je pensais que t'étais vraiment bloqué et que tu pouvais pas faire ça en fait. J'ai rien dit alors. Oh putain, ça commence bien déjà. Ça commence bien les gars déjà, ça commence très très bien. Ok, ça c'est un gameplay que je précise tout particulièrement ça. Hop. Ok, je peux tuer l'autre avec la propre carapace, ça c'est parfait, c'est un gameplay que j'aime bien. De pouvoir se déplacer avec la carapace librement, plus vite dans l'eau, ça on apprécie. Le gameplay est vraiment hyper appréciable, hein. On va pas se mentir, mais... Oh oui, mon gars. Ah ouais, j'ai pas fait exprès, mais alors là... Je vous promets, j'ai pas fait exprès de monter là-haut, hein, mais je me disais... Y'a peut-être un truc, en vrai, hein. Ah ouais, mais non, mais y avait rien d'intéressant. Putain, je suis dégoûté, mec. J'avais fait un truc hyper skillé, là. Y'a rien, en fait. Je suis deg. Ok, ok. Ok, les blocs donuts, ça tombe dans le vide, hein. Ça a quel goût, l'eau de mer? Je sais pas, tu veux que je te jette dans l'eau pour que tu puisses voir? Pardon. Attends, mais y'a déjà le checkpoint, là? Attends, mais j'ai loupé des trucs, là, en fait, là. Mais là j'ai loupé des trucs de ouf, là, non? Attends, mais comment ça, c'est déjà le checkpoint, là? Comment ça? Ah ouais? Oh pétard. Allez les boules de pique là, dégagez. Est-ce que c'est le premier? Oh c'est le deuxième, j'ai loupé la première, ok. Eh ben on retourne en arrière les amis, hein, je crois. Hein. Ben, je crois qu'on va retourner en arrière, je crois. Hein. Ouais. Je crois que ça va juste retourner en arrière, je crois bien. Hein. Où est-ce que j'ai pu le louper? Où est-ce que j'ai pu le louper? Mais en fait, mais non, mais je l'ai vu en plus, elle est au tout début. En plus, je suis trop con parce que je l'ai vu. Mais oui, je me souviens, je l'ai vu en plus au début et je me suis pas dit... Enfin, je me suis dit comment tu fais pour l'avoir dans ma tête, mais après je l'ai oublié en fait. Là, je suis trop con en plus. Alors je l'ai vu. Regardez-moi ces sauts gracieux là. Vas-y, danse un petit peu là. Eh, c'est dans un tuyau rouge. Mais du coup, c'est pas dans un tuyau comme ça. Ah, attends, je sais peut-être. Je pense que je sais. Peut-être en s'aidant d'une carapace, on peut peut-être aller à contre-courant en vrai. Oh là, oh c'est pas ça. Oh non, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça du tout même. Bah il doit y avoir un tuyau rouge quelque part. Hein. Mais je vous dise quoi moi. Bah c'est pas celui-là non plus. Bah ouais, mais il est où le tuyau rouge là les frérots? Bah ouais, mais là c'est déjà le CP. Peut-être que le tuyau il est après, peut-être après le CP peut-être hein. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que le checkpoint est après le CP. Le checkpoint est après le CP, que je raconte. Le tuyau, il est après le CP, peut-être, hein. On va voir, au pire, on va voir. En tout cas, c'est hyper plaisant, là, à jouer, hein, pour l'instant, hein. À gauche, je pense. Bah ouais, mais j'ai pas vu. J'ai loupé la première, ouais, ouais. Il y a une grosse pièce violette au début du niveau, ouais, c'est ça, hein.
Tu l'annonces quand tu fais des games UHC. Bah oui, j'annonce quand je fais des games UHC. Et d'ailleurs, même. Je le mets même sur un planning que tu peux consulter toutes les semaines si tu veux. Donc j'ai envie de te dire. Je me demande si le tuyau il est pas prêt. Parce que là, je vois pas comment tu fais pour y aller. Mais oui, du coup, il y a un planning chaque semaine, les amis, que vous pouvez consulter. Où dedans, je mets tout le programme des UHC que je fais. Alors de base, je devais en faire hier. Sauf que, problème. C'est que hier j'ai été occupé par le montage de la vidéo cité finalement qui va sortir dimanche puisque je l'ai terminé là. Donc juste les musiques mais ça va aller vite. Mais voilà. What the fuck? What the fuck? Attends mais à quoi sert cet endroit là? Mais à quoi sert cet endroit ici là? Bah rien du tout, on est d'accord là, non? Bon alors il y a un truc que j'ai pas capté, mais Ah ouais, non, ça a l'air de servir à que dalle là, hein, ce truc, hein. Ouais. C'est qu'en fait, j'avais pas pris le truc, en fait. Ça, tout s'explique. Hein. C'est qu'en fait, j'avais juste pas récupéré la fleur, en fait. C'est que tout s'explique, les amis. Ah bah oui, du coup. Bah oui. Ah bah c'était trop bizarre, en fait. Oh pétard! Oh là là, OMG! Oh non, mais du coup, ça, je peux pas retenir en arrière parce que je me suis dit, c'est peut-être comme ça que t'obtiens la pièce. Bon, au moins, définitivement, je sais que j'ai raté la première pièce, ça c'est sûr. Donc, je vais être obligé de refaire le niveau. Ah, ça a inversé le courant de l'eau, putain, c'est des bonnes idées quand même en vrai. Il y a des idées sympas dans le jeu quand même, on va pas se mentir, les idées elles sont cool, hein. Hop là, 817 pièces, j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand t'arrives à 1000. Est-ce que ça passe sur les 1000 ou est-ce que ça s'arrête à 999? Ah, j'ai envie d'aller voir en bas. J'ai envie d'aller voir en bas les gars. Mec, j'y vais ou pas? Eh ben j'aurais pas dû. Bah ouais mais bon, tout à l'heure il y avait un truc caché en bas, je suis obligé d'aller voir. Tout à l'heure il y avait un truc caché. Merde! Oh non! Tout à l'heure, il y avait un truc caché là en bas, j'étais obligé d'aller voir. Bon, du coup, vu que j'ai plus de. Donc, il y a définitivement rien du tout quoi par là. Hein. Ok. On se met là. Voilà. Bon, par contre, j'ai vraiment raté la première pièce, donc il faudra que je refasse le niveau après. Bon, c'est pas très grave, hein, au pire. T'en fiche un peu. Dommage que j'ai pas de power-up là, parce que là je risque de crever hyper facilement là. Ça, ça va me tomber sur la gueule ça. Oh oui. Oh que oui. En tout cas c'est hyper plaisant à jouer pour l'instant là, ce niveau. Il me manque toujours deux pièces. Ah bah déjà il y a une pièce qui est là, et du coup il me manque forcément bah, l'autre hein, du coup, que je ne pourrais pas du tout avoir. Oh ça sent la mort ça. Hein. Oh ça sent pas très bon cet endroit là ici hein. Non non non, je voulais pas aller là. Je voulais pas aller là d'abord, attendez. Je peux pas redescendre? Il y avait d'autres pièces que je voulais récupérer, bon c'est pas grave. Par contre c'est la fin normale ça? J'ai pas l'impression que c'est la fin normale, non? Ah non, c'est peut-être juste pour avoir la fin de la graine. Et voilà, ouais, c'est pour avoir la graine, ok. Bon par contre il me manque vraiment Putain, j'ai aucune idée d'où peut être la première pièce hein, pour être honnête hein. Oh, attends mais c'est un coup à mourir ça. Ok. Ça c'était un coup à mourir de manière un peu bizarre là. Ok. Bon bah j'ai tout sauf la pièce. Hein. Au moins ça va me permettre de tester deux fois le drapeau même si je pense que honnêtement... Ok ça va large. Ok oui effectivement vous avez raison ça va large. Bon après là le drapeau était vraiment à côté du truc. Hein. Pour le coup c'était vraiment à 2 cm. Et du coup faut que je le refasse. Pétard. Ça les amis, s'il y a bien un truc que ça qui me saoule c'est de refaire les niveaux en boucle. Hein. Mais bon c'est pour avoir le 100% t'es obligé hein, au bout d'un moment. T'es obligé quoi. T'es obligé. J'espère que c'est le dernier niveau aquatique, mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. J'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas, même. J'ai vraiment eu peur. Normalement, les oiseaux, je les regarde de très loin. Après toutes ces émotions, j'ai besoin de quelque chose pour me changer les idées. Et il paraît que Popline vend un badge lié au bloc. Point d'exclamation dans son bazar.
Ouais, mais non, mais moi je veux d'abord faire la pièce avant d'aller plus loin là. Je ne m'autorise pas à avancer si je n'ai pas terminé les niveaux d'avant à 100%, sinon c'est inutile en fait. On veut faire le 100% au fur et à mesure, si on avance trop vite ça a pas d'amusement quand même. Alors attendez. Est-ce qu'on va être obligé de donner déjà la langue au chat? Il va où lui? Ok, lui il va juste là et après... Ok, juste il se barre, ok. Est-ce qu'on va être obligé de donner la langue au chat directement? Bah j'espère pas quand même hein. Surtout que là-haut il y avait rien, on l'a vu. Et ouais parce que là ce tuyau, bah on l'a déjà vu donc on sait que c'est pas dedans. Merde. Ah mais je peux vraiment aller à contre-courant par contre hein. Je peux... Ah mais attends mais non mais... Mais oui c'est tout con en fait, mais oui. Non mais c'est bon je viens de capter en fait. Bah oui. C'est bon en fait. Je viens de capter mais en fait de manière... Tu vois en fait il me faut juste me laisser le temps. Moi je suis quelqu'un... Je suis plutôt lent dans la vie. Je suis plutôt lent, du cerveau en tout cas. Et du coup bon là... Faut laisser le temps à ce que le cerveau y comprenne tu vois, déjà. J'avais oublié que j'avais débloqué ce pouvoir en fait déjà pour commencer. Donc bon déjà forcément, on était mal barré. Hein. Si j'oublie que j'ai un pouvoir qui est utile, on était mal barré. Bon là je speedrun les gars, hein. On fait pas la fleur, on s'en fout, hop. Hop. Hop, nickel. Et là il faut que je descende en bas, par là? Ah oui c'est par là, ok. Mais j'ai pas fait du coup ce passage tout à l'heure. J'ai pas fait ce truc là tout à l'heure. Ah ouais ok c'était la fin du niveau ici. Ok nickel. Eh ben le 100% qui est fait. On va pouvoir aller voir la suite maintenant. C'est top. En vrai j'aimerais bien voir un peu les autres persos là. Parce que j'ai fait tout le début du jeu avec Daisy. J'aimerais bien voir un peu les autres persos pour voir ce que ça donne. Genre Mario et tout ça. Genre voir les voix. La voix de Mario aussi. Parce que du coup Mario il a changé de voix. Je pense que je vais changer de perso les gars. Je pense que c'est je vais changer de perso. Je pense. Pour voir un peu la voix du perso on va dire. Alors, comment je fais? Personnage. Mario. C'est ça la voix de Mario? Attends. Faut que j'aille dans un niveau pour voir je pense. Bonus bloc. Ce badge ajoute des blocs pour l'exclamation au stage. Des blocs peuvent entre autres servir de plateforme ou contenir des objets. Ah pétard. Ça on va en avoir besoin mon gars. Un petit panneau les gars. Allez. Je dirais c'est un bloc Mario. C'est un panneau Mario. Pas du tout. Pas du tout. Bon bah tant pis. C'est vrai que j'ai franchement j'ai envie de faire le 100% sur les panneaux là. Mais si ça me spoil c'est chiant en fait. Ça c'est quoi ça? Escalade du nid de Sarbacane. Bon. En vrai la voix de Mario elle change pas trop en vrai non? Enfin je vois pas trop la différence. Genre fais voir. Bah bon, enfin, je fais zéro la différence quoi. Ah je fais pas du tout la différence honnêtement hein, avec Charles Martinet. Les gens qui voulaient que ce soit Chris Pratt. Mais attends mais vous faites vraiment la... Enfin on est d'accord c'est lui? Ouais un peu plus... Ouais ça s'entend un petit peu mais c'est quasi pareil quoi honnêtement hein. Moi perso enfin personne me l'aurait dit que ça a changé de voix j'aurais jamais fait gaffe. Honnêtement hein. Comment il s'appelle? Si Charles Martinet il avait pas fait un message pour dire qu'il arrêtait d'être la voix de Mario alors que c'est lui depuis 50 ans là, j'aurais jamais remarqué hein, je pense. Hein. Merci Anna. On voit la diff. Hein. Alors moi je la vois pas du tout. Hein. Ah franchement ouais, hein, si j'avais pas eu l'info honnêtement j'aurais jamais su quoi. Attendez je veux voir un autre perso là. Parce que j'ai pas envie de jouer avec Mario, c'est trop classico. Ouais c'est juste plus le même pitch, ouais c'est ça. C'est un tout petit peu différent, mais sinon, à part ça, c'est la même chose, quoi. Luigi, ça a pas changé. Vas-y, je vais prendre un petit toad pour voir. Yeah. Yeah. Je fais bien les toads, hein. Yes, et j'ai un petit doublage de toad, les gars. Je vous le dis, mon doublage de toad, il est parfait. Merci, Anna, du coup, pour les 34 mois de sub. Ouais. Il est bien, non? Ah, Luigi, ça a changé? Ah ouais?
Ah mais putain, Charles Martinet, il faisait Mario et Luigi, putain, je savais pas. Toadette, ça donne quoi? On va voir, attends. Ah mais je savais pas en fait que c'était Attends. Bon, alors là par contre... Alors là, Luigi, on voit pas du tout la diff. Ah si, ok, si, ok, si, j'ai rien dit. C'est pas toi qui fais la voix française. De Todd, si, c'est moi, ouais. Donc bon. Ça fait penser que Guillaume de GEK imite aussi bien. Super, merci, merci pour la comparaison, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah si, là, on voit quand même. Ouais, on voit plus quand même. Après, on voit... tu vois? Je trouve qu'on voit quand même... Enfin, je trouve que ça, on garde quand même le ton de Luigi, quoi. C'est pas choquant, tu vois. Je trouve qu'ils ont bien fait leur casting. On sent quand même que c'est encore Luigi, tu vois. Ah, franchement, c'est... Ok, et Toadette ? Ouais, bon, Toadette, c'est classique ou quoi ? I'm ready ! C'est classique, hein. Il faisait Donkey Kong, d'ailleurs, donc hâte pour le DK Open World. De quoi, il faisait la voix de DK ? Oh. Ouais, non, je sais pas faire la voix de DK. Non, je vais pas, je vais me ridiculiser, ça va être horrible. C'est pas la voix classique de Yoshi, ça, par contre. Non, mais attends, c'est pas les voix de Yoshi, ça. Attends, quoi? En vrai? Oh, en vrai, je vais jouer Carotin, je pense, hein. Go faire la voix de Daisy. Ouais, ouais, ouais. Le gueule est tout le temps. Yoshi, fais la voix de DK. Non. Non, non, vraiment. Je sais même plus comment le fait, la voix de DK. Attends. Je sais même plus comment il fait, comment il faisait. Ah, putain... Attends, mais là, je l'ai plus en tête. Sinon, je pourrais le faire, mais je l'ai plus en tête. Je vais faire de la merde. Je vais faire un truc qui ressemble pas. Diddy Kong aussi, je savais super bien fait, en vrai. Super bien fait. Moi, je sais plus parler, frère. Bon, attends, vas-y, je vais faire le niveau là. Mais je savais super bien faire aussi Diddy Kong. J'étais un masterclass. Gil qui chante le DK rap. DK. Donkey Kong. Je sais plus. Lis le texte en bas de l'écran des persos. Ah, merde. Bah, je lirai après, attends. Je vais lire juste après. Bon, alors. C'est quoi ce niveau là? Oh, des nouveaux persos qui font apparaître des plateformes et qui restent. Pendant quelques secondes, ok, jusque là tout est classique. Ok. La musique est trop bien. Les gars, profitons de la musique un peu. Petit remix de la musique des souterrains de Mario. Eh oui, mec. Et on dirait même une musique de Mario Sunshine, en vrai. On dirait, il y a des airs d'une musique de Mario Sunshine. J'arrive pas à savoir c'est un remix de quel jeu original, là, tu vois, la musique. Elle est trop bien, la musique, j'adore. Elle est trop bien. Du coup, t'as pas changé de perso. Ah non, mais moi, j'ai envie de jouer avec... Je voulais juste voir les autres persos, mais j'ai envie de jouer avec Daisy, moi, de toute façon. Elle est trop bien, la musique, j'adore. Je vais rebaisser un petit peu. Comme sur DS. Hein. DK fait que hurler ou faire des... Ah, mais tu vois... J'ai pas le... Par contre... Oh, il y a un truc là-haut, là. Par contre, du coup, j'ai plus le... Oh, j'ai fait de la D. Ah bah... Bah, il vient de repop, ok. Ok. Tout ça pour ça, d'accord, ok. Qui a besoin d'une plateforme, les gars, sérieux, on est en 2023. Oh le bâtard. Merci Silvercrow pour les 1 an de sub. Je trouve que les voix, elles sont tellement étranges dans un jeu Mario comme ça, c'est... Comment dire? Je sais pas comment expliquer, mais... C'est étonnant, je trouve, tu vois? Ces voix. Genre, ça me perturbe encore, je pense. En fait, les trucs de Koopa, là, ne servent à rien pour l'instant, on est d'accord, là? Ça ne sert à rien, à part débloquer des nouveaux... Je viens de mourir. Un niveau de merde, quoi, là. En fait, je viens de mourir de la façon la plus conne du jeu, quoi, en fait, là. C'est une catastrophe, hein. Bon, allez, je speedrun, là, ça m'a saoulé, hein. Mais attends, mais ils ont un bon timing, ces machins, quand même, hein. Ça tire vraiment au bon moment, quoi, à chaque fois, hein. Ah, c'est un bon timing, ce truc, hein, quand même, hein. Ah, c'est là que je suis mort. Ah, j'ai envie de récupérer ça, là. Aïe. Ah, je vais pas remourir quand même. Ça serait trop grave que je remeure. Hein. Ah, c'est bon. Je sais même pas si on peut les tuer. Ok, j'ai eu peur. Hein. Sauf que j'aurais peut-être pas dû le tuer. Ah, ok, mais il repop, c'est bon, ok. Ça va, ouf. Hein.
J'ai eu peur. Ça va, Kara, je te dérange pas trop là à manger mes fils là. Ça va. Ça va. Oh, je suis mort. Hey, c'est pour l'instant, c'est le mob qui m'a le plus tué du jeu, hein, je tiens à le dire, hein, quand même. Hein. Attendez. Voilà. 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 Parfait. Nickel. Oh, ça sent la sortie secrète, ça. Hein. Ok, non. Et moi, je vois des sorties secrètes partout, en fait. C'est ça, mon problème. Hein. Moi, je vois des sorties secrètes de partout, les amis. Donc, bon, non. Ok. Ok, classique. Putain, il est trop bien, ce pouvoir, par contre. Hein. C'est quoi, ça? Oh, c'est un nouveau pouvoir! Oh non, putain, non, mais... Non, mais j'ai trop le... Non mais c'est flopesque, là. Non, mais c'est trop une dinguerie. En plus, attends, je suis sûr que... Fallait envoyer une bulle là-dedans pour l'activer, c'est sûr. Kara, arrête de bouffer mes écouteurs, là. Ça suffit, en fait. C'est sûr qu'il fallait envoyer une bulle là-dedans, là. Mais oui. J'ai envie de mourir, les gars. J'ai envie de mourir pour voir ce qu'il y a, mais bon... Non, mais je vais le refaire, c'est pas grave. Hein. Je vais refaire le niveau, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, j'ai que ça à faire, de toute façon. Refaire les mêmes niveaux en boucle, là. Ah, je te dérange pas, là, bouffer mes câbles, là. Ça y est, tu te crois chez ta mère ou quoi, là? Ah, c'est le cas. Bon, attendez, j'ai un chat à faire sortir parce que visiblement elle est pas contente. Là, j'arrive, attendez. Allez, viens. Allez, viens. D'ailleurs, ça me fait remarquer une chose, mais y a pas de temps dans les niveaux. C'est une première, ça, dans les jeux Mario, non? D'habitude, t'as toujours des temps à chaque fois dans les niveaux. C'est cool qu'il n'y ait pas de temps, là. Ça change un peu, c'est bien, en vrai. Allô, m'a envoyé un message tout à l'heure, j'ai même pas vu. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redescends ou est-ce que... Non, mais je vais me retaper le niveau, c'est pas grave, hein, en vrai. Hein. Je vais refaire le niveau, c'est pas grave. Hein. Bon, je sens que ça va partir en couille, cette histoire. Hein. Oh putain. Oh putain. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, le niveau de la drogue totale. Encore plus qu'avant. Non, et en vrai... Le jeu est trop bien, en vrai. Le jeu est trop bien. Par contre, ouais... Oh, il y a peut-être des trucs cachés. Oh non, j'ai pas loupé une pièce. Non, mais la pièce, ça doit être en fait à l'endroit où j'étais avant, en fait. Le jeu est trop bien, les gars. Franchement... Le jeu est trop bien joué, trop bien, trop des bonnes idées, c'est tellement 100 fois meilleur qu'un New Super Mario Bros, quoi, où c'est le même gameplay du début à la fin tout le temps. Là, ça change, quoi, ça fait du bien, franchement. Pétard. Hein? Ah, c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure, ça, ok. Ok. Ah, je peux refaire le même chemin que tout à l'heure, là? Des barres, je peux refaire le même chemin, mais sans le... Sans la fleur prodige, quoi. Marrant, ça. C'est marrant. C'est marrant, ça. Ok, bon, bah, je vais devoir refaire le niveau, les amis, hein, comme à peu près tous les niveaux du jeu, de toute façon, puisque je ne fais que louper des trucs tout le temps. Donc, bon. Ah bah, attends, ça va être l'occasion, puisque... Ok, c'est bon, j'ai cru que j'allais rater le drapeau, là. Ok, bon, bah... Par contre, tu vois, regarde, on n'est même pas au monde 2, encore. On n'est même pas au monde 2. Genre, on est, je sais pas dans quel monde on est, mais on n'est pas au monde 2. On est dans ce genre, en sorte de monde intermédiaire entre le monde 1 et 2. Et je sais pas si on va devoir faire ça à chaque fois ou pas, mais... Par contre, il y en a des niveaux, hein, dans ce jeu. Hein. Pétard, il y en a. Hein. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour finir le jeu. Ah, je crois que c'est peut-être le dernier niveau, là. Ouais, c'est peut-être le dernier passage pour débloquer. Bon, par contre, du coup, bah, faut que je refasse, quoi, du coup. Parce que j'ai pas eu la première truc, quoi. Putain, quel enfer. Bon, bah, je refais, hein. Je refais escalade du nid de Sarbacane. En plus, il faut que je me retape tout le début, quoi. C'est ça qui est chiant, en fait. Hein. Bon, je vais speedrun le début, ça va être vite vu. Merci, les Niyoshi. Connaissez-vous Twitch Prime? En tout cas, merci pour le contenu. Merci, les Niyoshi, ça fait super plaisir.
Merci beaucoup, hein. Ok, là c'est le... C'est le checkpoint ici normalement, hein, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ok, hop. Là du coup je récupère ça, et là du coup ça va être l'occasion de voir. Faut vraiment que le mob ne me tue pas, s'il te plaît, cette fois. Ok, alors, enfin je vais pouvoir tester le power-up quand même. Ok, donc en fait c'est juste un power-up qui fait des bulles, quoi. Ah mais tu peux t'aider, oh. Tu peux sauter avec... Ça peut te faire tes propres plateformes. C'est une pure masterclass, ce pouvoir. Oh. Mais il y a tellement des trucs de zinzin à faire avec ce pouvoir. OMG. Non, il y avait une fleur juste là. Je vais péter un câble. Oh, le pouvoir caché. Mais attends, mais le pouvoir est zinzin par contre, hein. Ah ouais, non mais... Oh, c'est incroyable ce pouvoir. Parce que tu peux t'en servir comme tes propres plateformes. C'est incroyable. Ah, j'aime vraiment bien, tu vois. Franchement, ouais. Je suis bien fan, là. Du pouvoir. Ce pouvoir-là, je suis fan. Hop. Et voilà. Terminado. Terminado, ce petit niveau. Bon, est-ce qu'on peut enfin aller au monde 2 ou pas? Le monde des nuages, là? Ou c'est que pour les autres joueurs, là? En vrai, celui-là, je trouve, c'est le moins fou des trois. Ah ouais, moi, je l'aime bien, celui-là, hein. Je connais Twitch Prime, je paye Geek depuis 300 avec Twitch Prime, ouais. Merci Fixouli. Encore décédé? Non, non, jamais, jamais, Frappe, jamais, jamais. Moi, moi, mourir? Moi? C'est mal me connaître, hein. On peut pas aller là-bas encore, ok, donc ça doit être pour le monde suivant, ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais du coup, à chaque fois, y a... Oh là là, à chaque fois, t'as une interlude de... d'un petit monde comme ça? À chaque fois? En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Par contre, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que t'es obligé un petit peu de fouiller. Genre, tu peux pas, tu sais, rusher le monde, quoi. T'es obligé vraiment de fouiller un petit peu pour essayer d'avoir tous les trucs. Enfin, c'est une bonne alternative pour éviter que les gens finissent le jeu en 5 heures, quoi. Cette vue est splendide et elle est rien qu'à moi. C'est bien qu'ils aient fait un jeu Mario qui soit long comme ça. Hein. Franchement, j'aime bien. Hein. Oh, il est trop beau, le monde. Hein. Mais du coup, c'est un sorte de monde de glace, non? Un peu. C'est nuageux glace, non? Oh, c'est joli quand même. Hein. Voilà au monde nébuleux, il devrait y avoir une graine royale au sommet. Je suis assez frileux, je sens que ça paraît une partie de plaisir pour moi. Alors combien de niveaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Non, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 niveaux. Ok. Et 14 avec le château. Ok. D'accord, ok. Vous en pensez quoi du jeu pour l'instant, vous? En vrai, rien que graphiquement parlant, je veux dire, regardez comme c'est beau, tu vois. Franchement, on dirait pas un jeu Mario habituel, quoi. Genre, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment très beau. C'est BG, ouais. T'en penses quoi du jeu, du coup? Tu vas le continuer en stream semaine pro? Ouais, bah, je vais faire le 100%, je pense, hein. Donc, ah, il y en a plus que 14. Oh, pétard. Yo, mon petit Zogil, tes petites fesses, là. Ok, d'accord, Gaïko, ok, comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça change des mondes de base avec le désert, la pleine, la neige et tout. C'est vraiment cool. Bah ouais, carrément de ouf, hein. Meilleur Mario que j'ai fait. Non mais c'est clair que c'est un des meilleurs jeux Mario depuis longtemps, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais tu vois, surtout, ça fait du bien d'avoir un jeu qui est beau sur Switch, quoi. Qui avait un design graphique particulier. Enfin, c'est beau, quoi, franchement. Hein. Pourquoi les jeux Mario sont beaux mais les jeux Pokémon sont moches? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas fait par la même équipe, c'est pas les mêmes qui s'en occupent. Hein, et que ceux qui ont fait ce jeu, par exemple, donc l'équipe qui gère les jeux Mario, avaient pas de deadline pour faire le jeu. Donc en gros, ils ont pu prendre 6 ans pour faire le jeu s'ils voulaient. C'est pour ça qu'il sort peut-être que maintenant, le jeu, d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas eu de jeu Mario officiel, hein, sur la Switch, à part Mario Odyssey, mais en jeu 2D, on n'a pas eu de jeu officiel sur la Switch avant ça. Avant, l'autre, c'était un portage du jeu sur Wii U. Alors que les jeux Pokémon, bah, ils ont une deadline chaque année à tenir ou quoi que ce soit, donc bon, meilleur Mario que j'ai vu, c'est le seul. Je suis mort. Mais c'est vrai que du coup, ouais, ils ont une deadline à tenir sur Pokémon, et c'est pour ça qu'ils sont obligés de se presser, quoi, en gros. Ah, et moi, j'adore ce côté un peu 3D comme ça, vous voyez, regardez. Le fait de pouvoir se balader dans le monde à part entière comme ça, c'est trop bien, je trouve. Oh! Difficulté 4 étoiles. Oh, j'ai envie de commencer par ça. J'ai envie de commencer par la difficulté 4 étoiles. Alors. Donc, saut d'escalade 2. Ah, mais c'est le même truc que tout à l'heure. Ok. Maîtriser le badge. Ah, mais du coup, c'est une version plus difficile du truc de tout à l'heure. C'est cool, ça. Ok, Eden. Ok, ça, c'est facile. Alors, je sais pas si c'est ça qu'ils appellent difficile pour l'instant, mais ouais, bah... 4 étoiles, Ouais.
Ouais, 4 étoiles, ouais, ouais, de ouf, hein. Ouais. Merde. Ok, c'est bon. Il tourne dans quel sens? Ah, il tourne comme ça, ok, d'accord. Attends, bougez pas. Hein. Je vais me mettre de l'autre côté. Ah, j'aurais dû tourner de l'autre côté, je suis con. Eh oui. Faut que je me laisse emporter, en fait. Hop. Voilà. Bon, c'est pas compliqué, quand même, tout ça, là. Bah ouais. Bah voilà, hein. Bah, 4 étoiles, hein. Je suis déçu, je m'attendais vraiment à un truc difficile. Je suis déçu, là. Ah ouais, non. Ah ouais, je suis déçu, là. Les graines sont trop belles dans ce monde, ouais, c'est clair. C'est quoi pour toi le meilleur jeu Mario? Mario Odyssey, je pense. Mario Odyssey, c'est vraiment une pure dinguerie, je pense. En vrai, t'es chaud. Merci, c'est gentil, les amis. Merci beaucoup. Merci pour les compliments, en fait. Ça fait plaisir. En vrai, vous trouvez ça dur quand vous avez joué? Peut-être certains y ont joué, je sais pas, dans le chat, mais est-ce que vous avez trouvé ça dur particulièrement? Je me rends pas compte. Mais c'est vrai que c'est joli quand même. Patinoire, tape tout. Oh, c'est quoi, c'est... Oh, le petit nouveau mob, encore une fois. Ça, y a un truc caché là-haut, hein. Et pas le malin, Gil, tu vas tomber un moment. Oh, pétard, regarde, ça glisse déjà. Je fais déjà plus le malin, là, regarde, Kelly. Ça glisse déjà, là. 10 heures pour passer ce niveau. Oui, au moins, Tomsko. Bah, autant d'heures de jeu qu'il t'a fallu pour finir le quadrathlon à la LAN, en tout cas. Le jeu est super beau, juste les petites animations sont grave satisfaisantes. Ouais, clairement. Et ça, c'est joli, ça, hein. Ça, c'est vraiment beau, quoi. Le petit monde de neige. Eh, c'est trop bien qu'on ait le monde de neige dès le monde 2. D'habitude, c'est toujours le monde genre 4, 5. Pas trop bégayé, le clash a pas marché, c'est vrai. C'est vrai, pourtant, il y avait une bonne idée du clash, hein, quand même. Hein. À l'époque, tu pouvais choisir ton perso dans Mario Bros, je me souviens plus du tout. Bah, t'avais pas autant de persos que là, quand même. Hein. C'était pas pareil dans les autres jeux. C'est pas la même chose, quoi. Il y a quand même de la difficulté qu'on retrouvait pas dans les autres Mario. Ouais, bah après ça dépend, tu vois. Ah, mais du coup, on peut péter les... Ah, mais attends, mais oui, mais attends, je viens de capter. Avec les boules de feu, on peut péter ça? Parce qu'en fait, moi, le Mario, je pense, le plus dur que j'ai joué, je pense, c'est peut-être en 2D, c'est Mario Bros 3, je pense. Je trouvais le jeu vraiment dur, genre, c'était vraiment abusé. À l'époque, il dosait vraiment pas sur la difficulté. Donc on verra si le jeu est aussi dur que ça ou pas. On verra. Oh non, pétard. Ça me fait pas plaisir. Ah, les gars, je vais la chercher ma pièce, hein. Le choix de perso, c'est qu'à partir d'un SMBU... Ouais, mais après, un SMBU, je crois qu'il y avait pas tous les persos, je crois, hein, il me semble. En plus, hein. Pardon, j'ai pas bien entendu, je crois. Non, j'ai dit merci, merci pour le don de 100 bits, j'ai dit Tomsko. Merci Utgarda, déjà 11 mois, comment ça passe vite? Passez tous une excellente soirée, merci frérot, merci beaucoup. T'étais obligé d'être en multi si tu voulais autre chose que Mario. Ouais, c'est ça, ouais. Arrêtez de foutre de ma gueule, là. Ça suffit, là, vous vous moquez de moi, là. Tu t'es pris un truc, là, bah ouais, bah attends, hein. Le petit karma, hein, le retour du karma. J'aimerais bien réavoir une autre fleur de feu, du coup. Ce qui ne va évidemment pas arriver, hein, du coup. C'est quoi ces blocs de... C'est embêtant à la fin, mais gros, c'est ma grand-mère qui parle ou quoi, là? Non mais attends. Non mais les fleurs qui parlent, c'est pour me fumer, vraiment, on dirait ma grand-mère qui parle, quoi. C'est embêtant à la fin. Bah quand même. C'est vraiment pas du bon comportement. Hop là. Ok, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Hop. Qu'est-ce que je veux faire avec ce coupage? Je sens qu'il va falloir que j'en fasse quelque chose, tu vois. Ah non, faut juste que je balance là, ok. Même la petite animation, tu vois, regarde, qu'on te désigne au bord de la falaise, vraiment sympa, ça. Hein. Oh non. Ok. Ok. Y'a pas autre chose à faire avec ce petit... cette petite carapace, là? Mais je vous jure, les amis, que vous verrez quand je rejouerai à Mario World, si un jour je le refais en live. Je pense que oui, parce que je serai obligé de le faire pour le marathon Mario. Mais vous verrez que le jeu, en vrai, ressemble énormément à celui-là. Hein. Vraiment, c'est... J'ai l'impression de voir le même jeu, quoi. Ah, merde. Alors ça, les amis, ça, c'est con, hein. Alors ça, c'est con, ça. Hein? Quoi? Quoi?
Comment on va en dessous là? Alors là, il y a un truc que j'ai pas capté là. Ah, il y a un truc que j'ai pas compris là. Attendez. Il y a peut-être un autre endroit, non? C'est peut-être juste un indice, non? Peut-être. Attends, je vais retourner en arrière parce que je pense que du coup j'ai loupé des trucs avec ce machin là. Attends, est-ce que les blocs réapparaissent? J'espère que oui et que je suis pas obligé de recommencer le niveau. Non, putain. Mais du coup, attends, parce que là, les blocs se pétaient entre eux. On est d'accord? Mais dans tous les cas, ça ne change pas le fait que je ne peux pas aller ici dans tous les cas, si. Le trou à droite. Le trou à droite? Il y a un trou en sortant? Ah, il y a un trou à droite en haut? Ah, c'est juste ça? Ah, genre là, vous pensez? Masterclass. Masterclass, les gars. Bravo. Masterclass, les gars. Masterclass. C'est ça d'avoir un chat intelligent, pas comme moi. Masterclass, les gars. Masterclass. Bravo. Oh non. Oh, j'ai cru que j'allais me faire tuer. Oh, j'ai cru que j'allais mourir sous le bloc de glace, hein, comme un abruti. Merci Nakaidi, merci beaucoup. Merci beaucoup frérot, merci infiniment. Comme d'hab, hein, toujours. Oh, putain, j'ai eu peur là-haut, le réflexe. Hein. Ok, est-ce qu'on peut avoir... Je pense qu'à la fin, pareil, ça va être un truc où il va falloir slider sur un bloc de glace pour finir le niveau. Ça va être ça, je pense. Eh, ces mobs de mort, ils aiment trop... Ah ouais, mais là, du coup, je suis mort, là, non? Non, c'est bon, attends. Oh ok, c'est bon. Ces mobs... Oh, les tuyaux comme ça, là, sur les côtés, trop stylé. Ouais, voilà. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Cette petite fleur, là, fais voir. Je m'attends à un truc super stylé, hein. Eh ben, je suis pas déçu. Ah bah alors là... je suis pas déçu. Je m'attendais à tout sauf à ça, mais je suis pas déçu. T'as carrément une boule gigantesque de neige là. Oh, oh pétard. Eh ben tu m'étonnes que le drapeau il se fasse neige. Attends mais du coup c'est Secret Exit ça du coup? Sortie secrète? Eh ouais, va falloir refaire le niveau mon pote. Va falloir refaire le niveau je pense mon gars. À mon avis, pour faire la sortie normale. Oh, le petit bonhomme de neige, super stylé. Ok, et après? Attendez, mais c'est moi où il y avait le drapeau là à la fin là. Je rêve ou... Ah oui, du coup, Secret Exit, effectivement, ouais. Putain, stylé! Stylé de ouf. Ok, je vais pas tout péter comme ça au moins. Hop! Je peux réussir à monter dessus. D'ailleurs, question, quand il y a deux sorties... Peut-être que vous le savez si vous l'avez vu sur un autre stream. Quand il y a deux sorties comme ça, est-ce que je dois avoir le drapeau parfait sur les deux drapeaux ou un seul ça suffit? Pour savoir si je dois faire gaffe au deuxième ou pas là. Oui. Donc ça veut dire... Ok. Ah, il y en a qui me disent un seul. Un seul ça suffit. Bon au pire, hein. Au pire je le ferai quand même. Hein. Au pire je le ferai quand même. Après, en théorie, moi je pense qu'il aurait fallu les autres, quoi. Faut juste un drapeau parfait, normalement, je crois. Ok. Enfin, moi, de toute façon, en théorie, tu vois, j'aurais pris... j'aurais pris tous les drapeaux, hein, pour moi, tu vois. Même le... Enfin... Je sais pas, si j'avais fait le jeu, j'aurais fait en sorte qu'il faille qu'on récupère tous les drapeaux, même les sorties secrètes et tout ça, quoi. Bon, là, du coup, c'est speedrun, du coup, on est d'accord qu'on a toutes les pièces, hein, parfait, on a tout, il manque juste la sortie normale. Pareil, hein, les sorties secrètes... La dernière fois que j'en ai vu autant, c'était dans Mario World. Je vous dis, ce jeu, pour moi, il est inspiré de Super Mario World. Vraiment, il y a beaucoup trop de références à ce jeu-là. Mais après, je dis ça, mais à mon avis, il doit y avoir deux personnes dans le chat, à mon avis, qui ont dû jouer à ce jeu, vu comme il est vieux. Après, peut-être que vous êtes des vieux aussi, vous. Hein. Vous êtes des vieux, vous? Vous considérez-vous comme vieux? Tiens, c'est une belle question, ça. Est-ce que vous vous considérez comme des vieux? Moi, je considère que je suis dans la meilleure tranche d'âge. Hein. Voilà. Parce que quand t'es à moins de 25, 24, 20, 25, là, quand t'es à 23 ans, tu vois, un peu moins, je trouve que t'es pas pris au sérieux. Les gens te prennent pas au sérieux, tu vois, dans la vie.
Alors que là, maintenant, arrivé à 25. Ah ouais, mais de toute façon, dans tous les cas... Ah, mais ok, pour avoir le drapeau. Bah tiens, ça va être l'occasion de faire le test. Ah bah non, ça va pas du tout être l'occasion de faire le test, puisque je vais juste l'avoir en fait aussi. Non, 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 non. Ok, ok, ça va. Elle a intérêt à revenir la boule, hein, je te le dis. Hein. Ah ok. Cool, cool, cool. Bah ça va être l'occasion de faire le test, là, tu sais quoi? Allez. Ah, dommage. Ça va être l'occasion de faire le test, on va voir s'il faut les deux drapeaux ou s'il en faut qu'un seul. Je pense que là, c'est le meilleur moment de la vie. 18 ans, ça va, c'est pas vieux. À 18 ans, t'es hyper jeune, mon gars, je pense. Hein. On va pas se mentir. Hein. Genre 24 ans l'année prochaine, je commence à être vieille. Non, t'arrives dans les meilleures années, je trouve. Hein. Franchement, 24-25 ans, en vrai, c'est les années où t'es pris au sérieux. Enfin voilà, je trouve que c'est le moment où tu grandis vraiment, je trouve, honnêtement. Est-ce que ça me l'a compté ou pas, du coup? Fais voir, stage. Ah ouais, c'est bon, du coup. Un seul truc, ça suffit, ouais. Ouais, ouais, moi perso, je trouve que là, c'est les meilleures années, en tout cas. Fun fact, les Koopas Roller, c'est directement inspiré des Koopas qui glissent de Mario World, ils s'en sont publiquement inspirés. Non mais voilà, tu vois, c'est 100%, il y a trop d'inspiration de Mario World, ça se voit en fait. Hein. 15 ans, je suis un bébé, 14, ouais ça par contre, j'avoue que... Là, vous êtes des jeunes, là. Mais ouais, tant mieux, hein, profitez, vous avez le temps, hein. C'est ça qui est cool. Hein. On dirait un daron, je parle comme un daron maintenant, tu vois. Mais je trouve que, tu vois, on se dit, ouais, on va arriver à 24-25, on va être vieux et tout, mais en vrai... Enfin, pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur âge, tu vois, vraiment. Comme dit, hein, c'est l'âge où les gens te prennent au sérieux, t'es considéré comme un vrai adulte, et pourtant t'es jeune. Masterclass en fait. Masterclass. Je vais mourir. Incroyable. Et heureusement que ça te one-shot pas comme dans Mario World ce truc. Hein. Ok, facile. Graine prodige obtenue, nickel. Ah ouais, non, je te jure. Hein. Banger la vingtaine. Oh, ouais, de ouf en vrai. Bon après la trentaine on verra. Moi je sais que par exemple Nino, vous voyez qui c'est, voilà. Nino, hein, bien sûr. Nino le roi de la cité. On en avait parlé avec lui, tu vois, il y a longtemps, il y a 2 ans. Et il m'avait dit que lui, quand j'avais appris qu'il avait 30 ans, j'étais choqué. Je me suis dit putain t'es un vieux et tout. Il me dit non mais mec, hein, moi j'ai jamais été autant heureux depuis que j'ai 30 ans. Hein. Donc bon. Oh attends, alors ça mon gars. Alors ça, là il y a quelque chose à faire. Il faut lui taper sur le cul à lui je pense. Hein. Ce niveau si tu tuais l'ennemi ça se termine en avance. Ah ouais. Ah ok, je me sens tout petit, j'ai 13 ans. Putain, t'es né en 2010 ça veut dire, mec. T'es né le combien pour savoir? T'es né en quel mois? Voilà, si c'est pas trop indiscret. Quel mois? Pour savoir. Là je vais prendre un énorme coup de vue dans 2 secondes, vous êtes prêts? Oh merde. Vous allez voir. Tu as arrêté Volt Hunter? Ouais, ouais, le modpack m'a gonflé. En fait, c'est tout le temps la même chose et ça m'a saoulé. J'ai regardé le stream de Jim qui est niveau 70 et en fait, c'est vraiment littéralement encore la même chose. Donc ça m'a gonflé, quoi. Je me sens tout mince, j'ai 13 et 14 le 11 novembre. Mais non, mais t'inquiète. Ouais, dites-vous, les amis, si vous êtes nés après février 2010, quand vous êtes nés, je faisais déjà des vidéos. Et là, et ça, c'est le coup de vieux, mon pote. Et là, tu vois... Ça, c'est le coup de vieux, de se dire ça. Après, j'ai commencé, j'avais 11 ans, hein, donc... Plus jeune que la plupart, t'as dit quoi? Attends, j'ai pas vu. Plus jeune que la plupart des jeux avec lesquels j'ai grandi, ça fait bizarre, ouais. T'as grandi vraiment ou tu grandis vraiment au moment où tu as des responsabilités? Je me lance en freelance et ma mentalité a grave changé par rapport à mes potes encore en études. Mais perso, j'aime trop. Oui, non, mais c'est clair. De toute façon, c'est en tentant des choses dans la vie que tu grandis, hein. Plus jeune que Minecraft, hein. Oh, je te jure. Y'en a qui sont nés après 2009 et qui jouent à Minecraft, les amis? Parce que Minecraft va fêter ses 15 ans cette année. Hein. Vous vous rendez compte que vous jouez à un jeu qui est plus vieux que vous. Et pourtant, ce jeu est encore le jeu référence d'aujourd'hui pour la plupart des gens qui ont cette tranche d'âge-là. Rends compte un peu? C'est ouf, hein? C'est une dinguerie, hein? C'est quand même aberrant de se dire ça, quoi. Que Minecraft est encore là après toutes ces années et aussi. Aussi bien, c'est incroyable, quoi. Team 2010 qui joue à Minecraft. Comment je récupère ça, là? Je lui tape la gueule, c'est ça l'idée que je dois faire? Ah, j'aurais pas dû le tabasser ici. Ah, ok, c'est tout, ok. A plus, Soso, bonne soirée! 15 ans, Satan MZ déjà, what the fuck. Eh oui. Oh, c'est trop stylé, ça. Eh oui, les amis.
C'est vieux comme Minecraft maintenant. Hein. Ah bah attends, de toute façon ils ont passé je sais pas combien de temps à dire que Minecraft fêtait ses 15 ans cette année au Minecraft Direct pour nous donner aucune nouveauté, donc bon. Mais c'est vrai que par contre il y avait pas beaucoup d'annonces hein, cette année. Hein. Quand on y pense, j'ai vu un truc qui disait il y a pas longtemps là, après le Minecraft Live, j'ai vu un tweet qui disait que en gros chaque année le temps passé sur les nouvelles annonces des mises à jour était inférieur à l'année précédente. Je crois que l'année dernière c'était genre 15 minutes, cette année c'était même pas 10 minutes, c'était à peine 10 minutes. C'est abusé quoi. On parlait des 2010 comme si on était des aliens, c'est une dinguerie. Hein. Bah non, mais c'est juste que t'es un bébé quoi. T'es un bébé. Ouh, le bébé. Non, j'arrête, c'est bon, j'arrête. C'est une blague. C'est bon, je rigole, on est tous passés par là, frère, ça y est. T'as des espérances de la 1.21. Ouais, mais j'espère qu'ils vont pas se limiter à juste ceux qui nous annonçaient, qu'ils vont nous annoncer d'autres choses quand même. Hein. Après, c'est vrai que sur certains jeux, vous êtes des aliens, les 2010, c'est vrai. Hop. Ça fait juste bizarre que de savoir que je jouais à Minecraft avant que vous soyez né. Bah oui, c'est ça. Après c'est normal, hein. c'est pas que des aliens, c'est normal après, hein, tu vois. Mais tu vois, ça, je trouve ça bien ce genre de stream parce que en vrai, à quel endroit comme ça tu vas avoir des moments où on a ce genre de discussion avec des gens qui sont plus jeunes, tu vois. À part ici. On n'aura jamais cette discussion, frère, tu vois. Je vais jamais parler avec des gens de qui sont nés après que j'ai commencé les vidéos, sinon. Du coup, c'est bien qu'on ait cette discussion. Je crois que je suis mort là, non? J'ai fait de la merde là. Ouais, j'ai fait de la merde, hein, je crois bien, ouais. Oh putain, super. En plus, j'étais trop bien. Ah non, j'ai pas eu la graine prodige de toute façon, je crois. Ah mais non, mais si. Oh, l'abruti que je suis, les gars. Je suis un bouffon. Vous voyez pourquoi il faut que je me concentre? Regardez. On va essayer un truc. Non, faut que je retape tout. Putain. Ton avis sur les stories Twitch? Je trouve que c'est une super bonne idée. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas. Et ben moi, je suis très content des stories Twitch. Je trouve que c'est une super idée. Enfin, c'est une super idée, bon, c'est pas une idée qui vient d'eux, tu vois. Mais je trouve que c'est une bonne feature parce que, perso, quand j'ai à poster, je vais pouvoir, en fait, séparer un peu mon contenu. C'est-à-dire que sur Insta, je vais pouvoir poster des trucs qui concernent ma vie. Sur Twitch, je vais pouvoir poster des trucs qui concernent mon Twitch. Et pas le bordel sur tous les réseaux, tu vois. C'est ça qui est bien. Ça te fera bizarre quand je te dirai, ça y est, mon enfant est né. Je précise, je suis pas encore enceinte. Bah, peut-être, hein, tu verras. On verra, Kelly. Bah, après, tu sais, hein... On commence à arriver à l'âge où on va tous chaque année. Je pense qu'il y a même des gens dans ma communauté chaque année qui vont commencer à être parents. Hein. Enfin, pour ceux qui m'ont connu il y a longtemps et qui avaient le même âge à l'époque et qui ont grandi avec moi, bah on va arriver à l'âge où on va commencer pour la plupart à avoir des gosses. Hein. En vrai, moi, c'est pas pour tout de suite de toute façon, donc il y a le time. Hein. Moi, j'ai le temps encore. Hein. Cette année, c'est le bac pour moi. Bon courage, frérot. Combien le jeu? De quoi, en note ou combien il coûte? En fait, ça dépend le jeu. Tu peux l'avoir à 60 balles, je crois, sur le store, évidemment, de Nintendo. Mais bon, si t'es un petit malin, tu vas taper Instant Gaming et hop, tu vas avoir le jeu pour moins cher. Bien sûr, ou d'autres trucs. Pas forcément qu'Instant Gaming, mais t'as plein d'autres trucs, quoi. Il faut être un petit peu malin. Ou sinon, t'achètes le jeu en version physique et là c'est masterclass. Ma fille a 8 ans. Waouh. Et toi, t'as quel âge, Steam Bash? Si c'est pas indiscret. 8 ans, c'est stylé quand même. Hein. Oh, la commu de Taron, ça fait plaisir, là. Eh, on commence à avoir une commu qui grandit, là, 33 ans. On commence à avoir une commu qui prend un peu de l'âge, là, ça fait plaisir. Et on est intergénérationnel, ici, les gars. Intergénérationnel, tout type d'âge. Merde, j'ai déjà fait celui-là. Il coûte combien, le jeu? Je crois que c'est 60 balles sur le store Nintendo. Après, les gars, si vous êtes partenariat avec Nintendo France, vous l'avez gratuit. Non, j'arrête de flexer. Non, en vrai, vous savez ce que je vais faire? Je pense que je vais essayer de voir, mais la prochaine fois... C'est ce que je voulais faire de base pour ce stream-là, mais j'ai oublié. Vu que j'ai eu le jeu gratuitement et que je l'ai pas payé, bah en fait, je vais le payer, mais je vais vous l'offrir, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais vous offrir une clé du jeu. Mais juste, il faudra que je trouve une clé pas de la merde, tu vois. En gros, pour ceux qui ont pas les moyens de se l'acheter ou quoi, je vous ferai la prochaine fois, je vous filerai le jeu. Enfin, je vous ferai un giveaway d'un code dans le chat. Et faudra l'avoir, quoi. Tu kiffes Zelda? Ouais, carrément. C'est trop bien maintenant. Le daron qui taffe à la Fnac et qui peut l'avoir moins cher. Ah ça, tu m'étonnes. Donc voilà, donc la prochaine fois, je vous filerai sûrement un petit code. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? C'est quoi ce niveau là? Tu donnes une Switch avec? Ouais, bah on fait ça, mec, vas-y. Tu veux que je te donne mon compte bancaire carrément avec ma chaîne, si tu veux, entière. Hein. Tout pareil, je peux tout te filer si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? A tout à l'heure, Kelly, à plus tard. Ce niveau, tu vas pas l'aimer, c'est vrai? J'aurai 25 ans le mois prochain, je t'ai découvert pendant LG saison 1, ça commence à dater. Ouais, et ben vous voulez un leak? Oh pétard, y'a un truc là-haut. Vous voulez un leak?
On a commencé à taffer sur LG saison 10. Et je pense que pour LG 10, je vais inviter des gens genre Linka. Déjà, j'ai réinvité Arcunir parce que ça faisait longtemps, forcément. Et je pense que je vais inviter genre Linka et tout ça, tu vois, des gens qui jouent moins à Minecraft. Hein. Et vu que j'ai pris masse de contacts depuis la dernière saison, j'avoue qu'à mon avis, on pourrait avoir une saison avec plein de gens. Mais même s'ils postent pas, tu vois, moi je prends toutes les POV et je fais juste une méga POV sur ma chaîne, quoi. Attends, mes frères, on va où là en fait là? On doit aller où? J'ai pas compris, faut aller, je crois. Faut aller là? Ah, ok, faut aller là. Donc ça serait trop bien, voilà. Donc je sais pas quand on sortira ça, quand on aura tourné, mais voilà. En RR, eh ben non. Si ! Oui ! Si, 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 si ! Oui, en record épisodique, oui. Et en fait, je ferai épisode 1 avec toutes les POV, épisode 2 avec toutes les POV, épisode 3 avec toutes les POV. Croco, oui, je l'inviterai, Croco, je pense. Même s'il poste pas, tu vois, parce que je pense que la plupart vont pas poster. Mais en vrai, juste pour pouvoir faire un rec énorme avec toutes les POV, tu vas sortir en RR, what the fuck, ouais. Ouais, parce que en vrai... Je me suis... comme j'ai toujours le même avis sur ça, sur les records en épisode, c'est que... Je pense que, en fait, les records en épisode, ça marche toujours si on le souhaite... Je suis sorti du niveau, là. Merde. En fait, les niveaux en épisode... Énigme de la place. Ok, attendez. Il faut que je cherche ça. Mais en gros, ouais, je pense que les records en épisode, ça peut toujours marcher chez moi, mais à partir du moment où il y a un concept un peu différent. Ce serait super stylé, genre un genre de film LG avec toutes les POV en une grosse vidéo. Bah, je pense pas qu'il y aura une grosse vidéo, parce que le truc, c'est que si on fait une grosse vidéo avec toutes les POV LG, je pense que la vidéo, elle fait 2 heures. Hein. Mais par contre, effectivement, tu vois, là, pour le coup, le format épisodique vaut carrément le coup, étant donné que, bah, tu aurais plein de POV différentes, donc en fait, t'aurais pas une vidéo de genre 10 minutes, ou de 20 minutes, t'aurais vraiment une VOD de... Enfin, une vidéo de... qui durerait vraiment 40 minutes pour un seul épisode, avec toutes les POV, avec un mélange, etc. Enfin, t'aurais de quoi faire, franchement. Donc voilà. Je pense que c'est une bonne idée d'inviter des créateurs qui sont pas que sur Minecraft. Ouais, carrément. Ah mais attends, quoi? Ah mais on pouvait rentrer dans le tuyau? Oh pétard, je sens que je vais pas aimer ce niveau, les gars. Quoi? Je comprends rien. C'est normal que je comprenne rien, là. En parlant du HC, à quand en Mystery Team, pour moi j'aurais aussi kiffé de fou un Skydef, mais Sifano veut plus qu'on utilise son mode de jeu, je crois. Ouais. Tu crois bien, ouais. Ce niveau est un peu tarabiscoté, bah ouais, je vois ça, ouais. Non mais au pire, je vous donnerai ma longue chat, hein, s'il faut, hein. Moi ça me dérange pas, hein. Ce niveau est horrible. Ouais, bah visiblement. Mais attends, j'ai envie d'essayer de trouver par moi-même, attends. Ce sont des énigmes. Ah. J'avais pas compris. Mais ouais, mais Mystery Team, pour moi, bah faut juste développer le plugin, mais après ça se fait, quoi. Ici, y a bien un truc, là, quand même, là, attends. Y a quelque chose, là, non? Des énigmes. Je vais trouver, les amis, je vais trouver. Au pire, si je trouve pas, je donne ma langue au chat. Hein. Ah ah, tiens, salut. Mais dis rien de plus, ce bâtard. On peut pas monter là-haut. Et comment on va chercher cet item là? On va chercher ça là-haut là. Mais les gars. Non, mais de toute façon, on va les redévelopper, ça c'est sûr, Itiraton, mais. On va les redévelopper, c'est sûr et certain. Mais comment je vais chercher ça, moi, là? Alors là, les gars... Il sert à quoi, le A? Regarde. Il sert à faire popper l'item que j'ai. Enfin, c'est un power-up que je garde. Alors là, je ne sais pas. Hein. Vraiment, alors là, les gars... Salut la communauté des Miss. Hein. Là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, il y en a un qui est là, mais je comprends bien qu'il y a ce bloc-là. Mais du coup, ce bloc-là, cet endroit-là, doit avoir une importance. Ici, non, derrière. Ah, je veux bien un indice, vas-y, ouais. Juste un indice, pas la réponse, un indice. Un éléphant, c'est quoi ce délire? C'est le nouveau power-up. T'as des blocs cachés de partout, dont certains se dévoilent mieux avec un perso précis. Si c'est encore trop vague, on peut donner plus. Ouais, non, mais je me suis douté qu'il y avait des blocs cachés. Mais du coup, ça doit être en bas, là. Ça doit être en bas. Bloc caché, quoi. Bon bah écoutez les amis, vous savez quoi? On va tester chaque pixel un par un. Tu peux pousser les tuyaux? Oui, avec le truc d'éléphant, ça c'est sûr, mais bon. Mais en fait je crois que j'ai compris en fait. En gros les blocs avec les trucs là, ça,
Mais en fait, en gros, faut que tu changes de perso un par un pour trouver tous les trucs, en fait. Mais oui, c'est ça, en fait. Faut que tu changes de perso un par un pour trouver les... Pour... Mais oui, ok, c'est bon, j'ai compris, en fait. Attendez. 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 Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Parce que ça, je me souviens du coup du, de l'endroit. Donc il y a ça, ici. Voilà. Ça, je m'en souviens. Donc ça, ça fait 1. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas... Ah mais là, il y a juste des pièces, quoi. C'est tout, il y a rien de plus. Bah non, il y a même... Mais il y a rien de plus, quoi. Enfin, legit, il y a rien du tout. Ok, je pense que je vais changer de perso, à mon avis. Salut Koumaz. Je vais changer de perso, à mon avis. Ouais, ça sera... Merde, je peux pas changer... Oh putain, je pensais que je pouvais changer au début. Oh fuck. Non mais ouais, je vais essayer ça. Tester tous les pixels un par un, on se croise dans un niveau troll Mario Maker, mais je te jure, Land Chaos, c'est abusé. Je te jure, on dirait vraiment un niveau troll, quoi. Nintendo, ils ont pété les plombs, frère. Ils se sont dit, ça y est, allez, on va faire des niveaux ou... Bref. Personnage. Okidoki. Alors, fais voir, ils étaient où ces blocs cachés là que je pète un plomb là. Ah, il fallait que je prenne un Toad. Oh merde. Attends, déjà je vais voir parce qu'on m'a dit prends un perso vert. Attends, moi vous savez, les blocs cachés ça m'amuse pas. Hein. On va essayer de trouver vite fait. Non, c'est une blague. Hein. Non, c'est une blague, frère. Mais comment on fait pour trouver ça? Mais comment on trouve ça? Ils ont pété un câble. Attends, mais... mais non, mais attends. Ils ont fumé du bon shit, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, la Nintendo? Bon, il m'en manquait un, par contre, je crois. Merde, j'ai pas tapé le bon bloc. Ils ont pété un câble, hein, vraiment, je le jure. Hein. Bon, ok, lui, c'est bon. Ensuite... Ah, mais je crois qu'il m'en manque toujours un, les amis, je crois, après. C'est évident, voyons. Bah ouais, mec, je l'avais, moi. Je crois qu'il m'en manque toujours un, après. Il me manque toujours le deuxième. Là, du coup, ici. Ah, mais il va encore y avoir des blocs à taper n'importe où, c'est ça l'idée? Ok, là déjà, il y a un truc en dessous. Ok, ça c'est bon. Il m'en manque un. C'est sûr, c'est autour des tuyaux. C'est sûr, c'est autour des tuyaux. Et je dirais même que c'est genre au milieu comme ça. Donc écoutez. Maintenant, j'ai compris. Mais c'est abusé. Tu penses sérieusement que 33 c'est vieux? Je suis juste de la première édition Pokémon, je joue en première. Ah non, mais non, non, mais je pense pas sérieusement que c'est vieux, hein, 33. C'est de l'âge que High Pierre. Hein. Il est un peu plus vieux, même Pierre. Donc non, non, hein. Tu n'as pas besoin d'être en éléphant pour pousser les tuyaux? Comment ça? Ah ouais? Ah bah attends, mais ça change tout là, en fait. Ah bah ouais, je savais pas ça, je pensais qu'il fallait absolument être en... Il doit être au milieu, non? Ah, c'est une catastrophe, hein, ces niveaux, hein. Pitié, aidez-nous, en fait, hein. Ah, je vous en prie, en fait, hein. Nintendo, hein, faites pas des niveaux comme ça, en fait, hein. Les amis, en fait. Ouais. Bon. Ouais, c'est bon. Allez, hein. Hop. Allez, hop. Vous allez me donner la solution, le chat, là. Ça va être vite vu. Hop. Allez, merci. Merci, merci. C'est bon, merci. Hein. Quelle horreur, ce niveau. Est-ce que tu comptes faire du Minecraft Horror ou des jeux horreur? Oh, du Minecraft Horror, pourquoi pas? Mais ça existe même. Enfin, il y a vraiment des trucs qui font vraiment peur sur Minecraft. Merci, Tim Alain. Merci pour les 3 mois. J'hésite à me lancer dans YouTube sur Minecraft. Bah... Lance-toi. Faut pas hésiter, faut y aller. Je suis vraiment en colère. Je voulais me faire plaisir en grimpant sur eux, mais c'est impossible à cause de cet enquiquineur. Ah, oh putain, le mot... Moi qui rêvais de cette ascension... Non, c'est samedi dans 2 semaines, ça, je reconnais. En plus, non, je crois que c'est la semaine prochaine, l'ascension. Ouais, c'est la semaine prochaine. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de l'ascension, là, déjà. Bon, alors...
Minecraft Horror, suffit de nous donner des mobs forcés dans les caves 1.20 et ça suffit. Non mais ça, y a que toi qui es nul, hein. Après, nous met pas tous dans le même panier non plus, quoi. Bon alors, place au pic d'or, là. Bonne nuit, Lucas Lambert, merci beaucoup, bonne soirée. On est quel soir? Ah oui, on est vendredi, demain c'est samedi. Ouais, demain vous pouvez dormir, demain c'est bon, tranquille. Je pense que je vais jouer encore une heure, les gars, je pense. Environ à peu près une heure pour ce soir. Parce que j'aimerais bien manger pas trop tard, me coucher pas trop tard. Parce que demain je dois me lever pas trop tard justement pour pouvoir finir les musiques de la Cité des Nations. En gros. Vu que demain à 14h, on stream et je lance à 14h30 ça. Donc j'aimerais bien pouvoir finir les musiques. Et après comme ça... pouvoir... Alors ça j'ai pas fait exprès. Pouvoir prendre ma douche et tout ça quoi. Avant de streamer parce que demain on va faire un gros stream de 10h donc... si je peux éviter d'être sale tu vois. Ça peut être pas mal. Déjà que là je me suis pris une petite douche juste avant là. J'avoue ça a mis bien. Oh merci! Putain il m'a filé de lui ce truc. Ah y'a un truc là-haut non? Non y'a rien, ok c'est bon. Ce pouvoir par contre c'est vraiment masterclass hein. Ah il est vraiment incroyable. C'est incroyable. Non mais mec regardez les sauts de fou qu'on peut faire. Regarde. La vitesse de zinzin qu'on peut prendre. Attends mais ce jeu pour le speedrun ça va être ultra skillé hein. C'est incroyable hein. Ah c'est zinzin. La vitesse que tu prends avec ce pouvoir c'est n'importe quoi. J'adore hein, franchement. En plus tu peux atteindre des... Mais regarde tu peux même atteindre des plateformes que tu... Que tu peux pas atteindre en fait. C'est énorme. C'est trop bien ce pouvoir en fait. C'est vraiment trop trop bien. Ok, y'a rien à faire là? Vous pensez qu'il y a un monde où faut descendre dans le trou à gauche là? Ok non c'est la première, c'est bon, y'a pas de monde où faut descendre, c'est bon. J'ai failli sauter dans le vide là, je vous le dis. J'ai même pas remarqué mais je joue avec Luigi quoi, quelle aberration sérieux. Les gens qui jouent avec Luigi en 2023 les gars, franchement... Ah voilà, hein, bref hein. Je vais rien dire mais bon bref hein. Bref, on va rien dire. C'est même gens qui perdent des Nuzlocke sur Pokémon quoi, c'est la même chose. Merci ICZPZ, merci pour les 6 mois, merci beaucoup. Hop là. Mais du coup c'est quoi, c'est une... Comment ça s'appelle ce pouvoir? C'est une fleur d'air? Qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'on a la fleur de feu, la fleur de glace, et qu'est-ce que c'est que cette fleur du coup là, elle s'appelle comment? On a le nom ou pas? Oh l'aide, ok c'est bon. Oh putain mais je voulais lui sauter dessus mais la hitbox elle était tellement petite que j'ai pas pu. Ok il y a un truc là-haut, je l'ai vu. Les amis pas besoin d'avoir un perso ou quoi que ce soit, pas besoin de ça regardez. Non fils de... Non putain le bâtard. Non mais elle est là-haut là, la fin. Elle est là-haut. Non. Ah mais je peux pas monter là-haut? Mais y'a un truc là-haut. Y'a un truc tout là-haut. Je sais pas comment on monte, mais y'a un truc. Hein. La fleur de sabon, je sais pas, je sais au bol. Ok, nickel. Fleur bulle. Ah bah ouais, ça paraît pas con en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Tu réponds quoi si on te dit Minecraft ou Pokémon? Bon, en fait, si je suis logique, je réponds Minecraft. Parce que c'est grâce à Minecraft que je vis, c'est grâce à Minecraft que voilà, je passe des super moments toute ma vie, etc. Enfin voilà. Mais... C'est vrai qu'avec mon cœur, j'ai envie de dire Pokémon aussi, quoi, parce que... Pokémon, c'est pas pareil, en fait, disons. Par contre, il y a un truc là-haut. Moi, je l'ai vu, mais je sais pas comment on y va. Et surtout, j'ai pas l'impression qu'on puisse y aller, en fait. Hein. Attendez, vous savez quoi? On va avancer, et puis au pire, s'il me manque quelque chose, je sais que c'est ici, quoi. En gros, c'est ça, l'idée, quoi. Ok. Et ouais, du coup, je te dirais... Ah, mais ça va changer, en fait. Mais oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est que ça va changer. Alors ça. Alors ça, tu vois. Ça, c'est masterclass. Alors ça, c'est masterclass. Ça, c'est incroyable. Ah ouais, non, ça, c'est génial. Ben voilà, c'est pour ça, en fait, qu'il y avait un truc au-dessus. Non, c'est une dinguerie. Ah, et du coup, je marche sur le mur comme ça, mais c'est incroyable. Mais l'idée est trop bien, en fait. L'idée est trop bien. J'adore l'idée, là. Même la musique en fond, je trouve, elle passe bien avec la situation et tout. Non, c'est vraiment trop bien. Ah ouais mais là je suis BZ non? Ah non faut que je passe par dessous en fait. Ok en fait je suis revenu en arrière alors que j'avais le bon chemin depuis le début quoi. Ok super.
pétard. Faut pas que je meure, faut pas que je meure. Il me reste 60 secondes pour arriver à la fin. Ok. 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 Ah, comment je fais? Ok, par là. C'est tout? Faut juste que je récupère ça? Ok, stylé. Masterclass. Masterclass. Ça, vous voyez, voilà. Ça, c'est une grosse masterclass, ce truc-là. Je vais me mettre au milieu, comme ça, il va péter les deux blocs en même temps. Les deux rangées de blocs en même temps. Bien sûr, évidemment que c'était là. Bien sûr. Je capte rien depuis le début. Depuis le début, je capte pas le but du jeu, je vais pas vous mentir. Bah, c'est très simple, hein. C'est, tu dois finir les niveaux. Le but, c'est finir les niveaux. C'est vraiment pas très compliqué, quoi. Et en gros, dans chaque niveau, si tu veux, j'explique exactement. Tu sais quoi, regarde. Dans chaque niveau, donc tu as la fin, donc la sortie normale où tu dois aller jusqu'à la fin du jeu, et, enfin à la fin du niveau et attraper le drapeau en esquivant tous les ennemis, etc. Mais dans chaque niveau, en plus, t'as trois pièces comme ça violettes à récupérer qui sont cachées un peu de partout, et t'as je sais plus comment ça s'appelle, là, les graines prodiges à récupérer. Les graines prodiges, t'en as une quand tu termines le niveau obligatoirement, deux si jamais tu finis avec une deuxième sortie, parce que dans certains niveaux, t'as deux sorties, et c'est pour ça qu'il y a des drapeaux rouges dans certains niveaux qui sont des sorties cachées, du coup qui donnent lieu à d'autres niveaux derrière. Et t'as des graines qui sont cachées aussi dans les niveaux qui changent tout le monde comme tu peux le voir là, et qui, si jamais tu réussis le défi entre guillemets de la graine, t'en donnes une de plus. Et du coup, pour finir à 100%, faut que t'obtiennes tous les drapeaux, toutes les graines de tous les niveaux, toutes les pièces violettes de tous les niveaux. Voilà, en gros c'est comme ça. Et en plus de ça, bah il faut que tu obtiennes le meilleur score pour le drapeau, parce que quand tu termines le drapeau, t'as vu, t'as plusieurs, on va dire, drapeaux entre guillemets, enfin, tu vas voir. Enfin, je pense que tu l'as vu, mais en gros voilà. Là tu vois, je vais finir le drapeau, ça va mettre hop, prodigieux. Bah ça veut dire que voilà, j'ai le drapeau max que je pouvais avoir, donc ça compte pour le 100%, ça me valide le niveau. Si jamais j'avais pas atteint le haut du drapeau en l'attrapant, bah j'aurais dû recommencer tout le niveau, quoi. C'est ça le but du jeu en gros. Voilà. J'espère qu'à un moment du jeu, il y aura une des fleurs qui sort, hein. C'est bon pour vous après avoir réussi le parcours. C'est toi qui as fumé de la bonne, je pense, chef, hein. Ça se voit, il a rien écouté, il tire à ton. Mais si, regarde, il a dit merci pour l'enseignement. Mais si, regarde, moi j'explique le jeu, moi. Et du coup, t'as des petits shops et tout, il y a plein de trucs à débloquer. Enfin, en vrai, c'est un jeu de plateforme 2D, quoi. C'est t'avances dans les niveaux, tu les débloques au fur et à mesure. T'as des nouveaux pouvoirs, comme là, la fleur là qu'on a débloqué il y a pas longtemps. Donc c'est cool, quoi. Gil, oui, il faut poser ta question si y en a une. Eh oui. Ah, c'est trop beau, par contre, hein, ce monde nuageux là. Du coup, c'est fini la glace, ça y est, on est dans les nuages maintenant. Saut et rythme, ça c'est pour moi ça. Ça va sûrement être modé les fleurs cancan avec les IA, en plus on va pouvoir tout faire avec, ouais ça va être incroyable. Si je demande des informations, c'est pour m'instruire, pas pour dormir. Le jeu a l'air pas mal, ouais il est cool en vrai le jeu, il est vraiment sympa. Et surtout qu'en plus il est adapté à tout type de joueur, c'est-à-dire que si t'as pas envie de te prendre la tête, tu joues, et puis avec des potes ça doit être trop bien genre à faire. Moi j'ai toujours fait tous les jeux Mario depuis que je suis petit, donc Bon alors, oh j'ai pas changé de perso, putain faut que je reprenne Daisy. Quoi? Quoi? Et pas fur, hein, les gars. Quoi? J'ai pas compris, là. Attends. Attendez. Déjà, personnage, Daisy. Let's go! Voilà, déjà pour commencer. Parce que si j'arrive pas à faire mes niveaux depuis tout à l'heure, c'est parce que j'ai pas le bon personnage, déjà pour commencer. Utilise les commandes pour courir ou pour la charge au sol dans les options. Ah non, ajuster, ok. Je croyais que c'était une autre pour le niveau. Mais du coup, Attends, mais c'est... Ah oui, mais parce qu'en fait, j'ai pas assez attendu, en fait. Ah d'accord, ok. J'étais juste trop rapide en fait. Bon, ça accélère là. Attends, et ce niveau il est noté 4 étoiles en difficulté là. Ah attends, ça accélère un peu là. Attends, j'ai peut-être rien dit, attends. Non, ça va. Non, ça va, c'est large. Ça va. Large. Les niveaux... Bravo! Les niveaux 4 étoiles, en vrai, c'est pas si 4 étoiles que ça, quand même, hein, en vrai, hein, des fois. Hein. Meilleur jeu à faire en duo, ouais, je pense, ouais. Merci, t'es net. Hein. Les niveaux 4 étoiles, c'est moyen 4 étoiles, quand même, hein, en vrai. Hein.
Pas mal, hein. T'as dit quoi, Tiraton? Non, ça existe pas, désolé, de quoi? Mon dieu, tu flopes encore plus que moi. Ah, ça oui, hein. Je comprends mieux pourquoi tu es modo chez Guild Litchi. Ah, parce qu'en gros, tu es en train de dire que je suis quelqu'un qui floppe beaucoup, c'est ça? Défi badge expert ressort. Oh, ok, let's go, ça c'est pour moi, ça. Les gars, moi, vous savez, je pense que ce défi, il est de mon ressort. Vous l'avez, bien sûr, n'est-ce pas? Vous l'avez, hein. Eh oui, t'as compris? Tu l'as? Bien sûr, hein. Non, c'est 5 étoiles, le max de la difficulté. Le jeu est beau graphiquement de fou. Ouais, moi j'adore le style graphique. Et d'ailleurs, je crois que Nintendo a dit que les prochains jeux Mario, ils allaient s'inspirer un peu de ce style graphique-là, donc... Quel poulet, en fait. Merci beaucoup, en fait. Direction le monde spécial, là, moi j'y vais, hein. Tac gênant. Non, j'ai retiré le tac gênant, il n'y a plus. Je suis plus gênant maintenant, c'est fini, les gars. Bon, ok, eh, ça c'est super facile, il suffit juste d'appuyer au bon moment. Voilà. T'appuies sur le bouton de saut au bon moment et c'est bon, quoi. C'est un jeu de rythme. Facile. Facile, les gars. Aucune difficulté. Hyper facile. Dixit, le mec arrive pas à attraper cette pièce. Ok, deuxième pièce violette. Et la troisième, elle est là et on a fini. Hop! Après, il y a peut-être une fleur. Hein. Non, je pense pas. Non, dans ce genre de niveau, il n'y a pas de fleur en général. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas de fleur prodige à trouver. Allez, on prend le drapeau. Bien sûr! Hop là, prodigieux, parfait. Le 100% du niveau qui est fait, on n'a pas besoin de le refaire. Et en vrai, par contre, je trace, hein. Là, en ce moment, je suis en train de tracer, je fais tous les niveaux à 100%, mais j'avance, hein. Ah ouais. C'est trop bien, hein. J'adore. Ah. Comme chaque jeu, c'est plus fun à jouer à plusieurs. Chaque pote disait que Minecraft était nul, ils ont joué, ils ont kiffé. Après, Minecraft, hein, en général, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que... non, je veux pas l'équiper, non. Non, c'est bon, je veux pas équiper le badge, hein. Non, ça me va très bien. En fait, Minecraft... Oh oui, monde spécial! Oh bah tu sais quoi, tant qu'on est là, on va le faire. Mais en fait, Minecraft, c'est un peu tous comme ça. Moi, je pense que beaucoup sont partis d'un a priori de « j'aime pas le jeu ». Moi, c'est pareil au début. Sachez que avant que je joue à Minecraft, j'étais en mode « je n'aime pas Minecraft ». Je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais joué au jeu. Juste, je regardais et ça me saoulait parce que je le voyais trop et ça me saoulait, tu vois. Oh pétard, difficulté. Oh, attends, difficulté en violet, hein. Et là, là, ça rigole pas, hein, celui-là. Hein. Ah, celui-là, il va me plaire, je pense, au niveau, il va me plaire. Hein. Mais du coup, ouais, ouais, tu vois, au début, Minecraft, ça me plaisait pas du tout. Et puis, en fait, après, j'ai joué. J'ai découvert le jeu et, en fait, je me suis rendu compte que... Bah, c'est le meilleur jeu qui ait jamais existé, quoi, en fait. Hein. Alors que, de base, j'aime pas le jeu, en fait. De base, j'aimais pas le jeu, en fait. Et c'est ce que j'espère montrer dimanche chez Samuel Etienne, tu vois. Ok, bon, alors. Pourquoi les 5 étoiles? Oh, putain. Ok, va falloir être bon là. Parce que là, la lave elle monte vite là, hein. La lave elle monte vite, hein. Ah, je vais mourir là. Non, c'est bon, ok. Oh, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de niaiser là, les gars. Je vous le dis. Hop, on récupère la deuxième vite. Oh, bon, c'est pas grave, j'ai eu les deux premières en vrai. J'ai eu les deux premières, c'est pas grave. C'est ce qu'il me fallait, j'ai eu les deux premières pièces. Hein. Du coup, j'ai pas besoin de les reprendre. Ah, pas besoin de... Pas le temps de niaiser. Merci Rylin. Ou Rylin, je sais pas. Ok. Merci pour le raid. Eh, les niveaux 5 étoiles, ils rigolent un peu moins, ça fait plaisir en vrai. Y'a que sur les niveaux 5 étoiles que je meurs, par contre, ça me fume. Il faudrait que des niveaux 5 étoiles dans le jeu, je pense, en fait. Ok. Oh, le petit saut sur un bloc, c'est vraiment bâtard ça, hein, de faire ça. Hein. Non, frère, comment ça je suis à la bourre? Oh, what the fuck? Comment ça je suis à la bourre? J'ai fait aucune erreur, quasiment. Ah ouais. Ah ouais, j'ai fait aucune erreur, quasiment. Ok, je recommence. En fait, j'ai l'impression qu'il faut être limite un peu en avance sur le rythme, en fait, pour ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ok, là, je suis bien, là. Oh oui, je suis bien, là. Oh là, je suis très bien, là.
C'était chaud sa mère. C'était chaud sa mère la fin. Si j'avais pas été autant en avance, j'étais fini tout pipo. Et ben voilà, le 100% du niveau 5 étoiles. GG ça. Merci. C'est un bon. Tu vois ça, c'est le genre de niveau que j'aime bien. Bonne nuit, Yomayok. Yomayok B. La voix de Daisy toutes les deux secondes, c'est pour me tuer. Ouais, mec, moi j'ai l'habitude. J'ai joué à Mario Kart Wii, hein. Quand tu joues à Mario Kart Wii, Daisy elle gueulait toutes les deux secondes, hein. Eh, je suis content. Ça, c'est un bon niveau que j'ai bien kiffé. En vrai, j'aimerais bien avoir que des niveaux 5 étoiles, hein. Franchement, les niveaux 5 étoiles, c'est trop bien, je trouve. Il y a un peu de challenge. Puis c'est pas si dur que ça, c'est ok, quoi. Bon, j'ai 4 trucs, du coup, il m'en faut encore 2, je crois, pour débloquer la plante au milieu. Donc faudra que je vois au monde d'après, quoi. Tu vises quel top pour demain? En vrai, honnêtement, je m'en fous. Tiens, attends, demain, j'ai juste envie qu'on se fasse plaisir, tu vois. Je vise pas la win parce que je sais que c'est impossible vu qu'il y a du build déjà, donc on va faire dernier en build. Je pense que Matox va gagner 100%, hein, comme d'hab. Mais en vrai, on verra. Pas être trop dégueu, mais genre juste kiffer, en fait, tu vois. Parce que pareil, en... par exemple, pour l'event, pour le PVP, il y a beaucoup de joueurs PVP qui sont inscrits. Pour le build, bah, il y a des très bons joueurs build aussi qui sont inscrits. Enfin, en vrai, c'est compliqué, tu vois, de se dire qu'on va faire une bonne perf demain. On va juste se faire kiffer, on verra pour le coup. C'est le plus important. Puis en vrai, l'event est cool, donc on va juste essayer de pas être trop ridicule quand même, mais bon. J'aime bien cette mécanique là, oh, des petites plateformes là qui se créent comme ça. J'aime bien. Ah, on peut s'accrocher par-dessous. Ah, oh, c'est pas mal ça. Je viens de le découvrir là à l'instant, mais c'est pas mal ça. Ah, là on peut choper ça là-haut. Ok. Question si je fais ça. Ok, je suis déjà au max, d'accord. C'était pour voir, mais je savais pas si j'étais au max ou pas, mais apparemment ouais. Oh merde. Bon, moi j'ai eu déjà la première pièce de ce niveau, c'est pas mal. Ok, là je peux faire ça, comme ça ça tape le côté, qui me donne toutes les pièces, même si en vrai ça sert à rien. Ok, rien de plus. J'arrive à 1000 pièces, hein. 1000 pièces violettes hein, déjà. Mais en vrai, tu vois, les pièces, je trouve, on en a énormément. Hein, genre vraiment, oh oui, le meilleur pouvoir, punaise, le meilleur pouvoir. Une grosse masterclass ce pouvoir. Hein. Vraiment, c'est mon pouvoir préféré, je pense. Hein. En fait, quand tu maîtrises, à mon avis, le jeu, ça doit être tellement plaisant de jouer avec ce pouvoir. Genre, pour les speedruns, ça va être insane, le... Putain. Ça y est, le fun est perdu. Le skill qu'il doit y avoir, hein, ça doit être incroyable. Le skill doit être tellement bien poussé en plus. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'avais pas récupéré ça, j'avais pas vu. Ok. Y'a pas des petits trucs cachés par là? Parce qu'attends, j'ai que la première pièce quand même là. Hein. Faudrait peut-être que je pense à trouver les autres quand même. Les petites pièces violettes là. Ah bah déjà, je viens de trouver un bloc caché que t'obtiens qu'avec un seul perso. N'empêche, jouer en à plusieurs, ça doit être... ça doit être tellement cheaté quand tu vois tous les blocs de tous les persos là. Ça doit être tellement OP as fuck. Ah moi. Hein. Aïe. Oh merde, j'ai failli mourir là. Ah, là, faut lancer la carapace bien comme il faut. En évitant de se la reprendre sur la gueule après, si possible. Let's go. Merci Ilkiora, ça va ou quoi? Ilkiora, incroyable. Ok. Ok, je récupère la deuxième. Enfin, j'aime beaucoup ce monde, hein, en vrai, le monde dans les nuages comme ça. Et c'est vraiment étonnant qu'on les voit dès le monde 2, quoi. D'habitude, le monde des nuages dans les jeux Mario, c'est toujours genre le monde 7, de les 6-7, par là. Pareil, genre le monde de glace, c'est toujours à la fin. Et là, le fait qu'on l'a eu dès le début, c'est vraiment pas mal, quoi. Et le truc, c'est que du coup, les prochains environnements, ça va être vraiment... ça va être vraiment la surprise, quoi. C'est ça qui est cool, en fait, hein. Ok, là c'est pour descendre. Il me manque une pièce là. Une pièce violette et je suis bon moi. Ah bah... Ok, alors qu'est-ce qui va se passer là? Oh putain. Non mais toujours plus mec. Non mais toujours plus en fait. Non mais... Mais je vous jure que ce jeu, en fait, j'ai beau y jouer là depuis genre presque 3-4 heures là. 4 heures, voilà, ça fait 4 heures que j'y joue. À chaque fois, chaque niveau arrive à m'impressionner toujours plus. Genre c'est incroyable quand même. C'est vraiment abusé. Tous les niveaux arrivent à chaque fois à m'impressionner toujours plus. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. Par contre il me manque la dernière pièce là les amis là. Ouais. Je trouve que les idées sont trop bien pour un jeu de plateforme.
C'est trop bien, c'est trop bien pensé. Bon là par contre je pense que on va avoir... Là on va chuter je pense, tout va s'enlever. Ah non, pas du tout. Ah merde, j'ai peut-être, si ça se trouve, j'ai raté la troisième pièce là du coup là. Ouais. J'ai peut-être raté la troisième pièce là, c'est possible. Hein. Ah c'est même fort probable, vu que là c'est la fin du niveau. Non ? Ouais. Oh j'ai raté la troisième pièce, alors ça c'est vachement con ça. Oh j'ai peut-être pas raté la troisième pièce. À quoi sert ce tuyau là ? Attends, y a quelque chose qui est différent là. Ah mais non mais c'est pour... Bah ouais mais ça du coup je l'ai déjà fait ça ici. Merde, je crois que j'ai raté la troisième pièce et que c'était dans la fleur. Ouais. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai raté la troisième pièce qui était dans la fleur prodige. Ah non c'est con ça par contre si c'est le cas. Eh bah, mais attends mais ce tuyau il sert à quoi mec? Y'a un tuyau qui sert à rien là. Parce que là c'est la fin du niveau, d'accord, mais y'a un tuyau qui sert à rien là. Attends. Ou alors... Attends, j'ai pas tapé sur le bloc qui est là, je crois. Si. Attends. Y'a peut-être moyen... Attends, y'a peut-être moyen que j'ai une idée, là. Mais si, j'ai tapé, en fait. Mais si, j'ai tapé. Parce que c'est ce bloc-là qui m'a donné la fleur prodige, après. Ah, je crois que je l'ai juste loupé, à mon avis, je pense. Je pense que j'aurais juste pas trop dû me précipiter et suivre le chemin, et du coup, je l'ai loupé, je pense. Ouais. Ah, c'est sûr, même. Je donne ma langue au chat juste pour savoir. On est d'accord que c'est bien pendant la fleur prodige et que je l'ai loupé. Ah non? Bonne soirée Rogaiko. Non mais la fatigue t'inquiète. Ah, mais je te jure, je pensais qu'il m'en manquait une. J'étais persuadé que j'en avais que deux. Bah ouais, même moi j'étais sûr que t'en avais que deux. Mais je te jure, moi j'étais persuadé d'en avoir deux. Pourquoi j'en avais trois là? Je sais pas hein. Il y a un système avec le Nintendo Online. Ouais, tu peux jouer en ligne, je crois, avec des potes si tu veux, ouais, je crois. Me semble, hein, à mon avis. Hein. Ça a bien avancé, je viens de me co. Alors, eh bah écoute, j'ai fini le monde 1 à 100% pour l'instant. Attends, si on regarde un peu là. Où est-ce que j'en suis? La troisième à Popcorn? Eh bah mec, j'en ai aucune idée, voilà. Pour l'instant... pleine des tuyaux, donc monde 1, j'ai fait à 100% tous les niveaux, absolument tout. Île Floral, j'ai fait tous les niveaux à 100% que je pouvais faire pour l'instant. Le monde spécial, j'ai fait tous les niveaux à 100% pour l'instant que je pouvais faire. En fait, pour l'instant, tous les niveaux, je les ai tous faits à 100%. Tous les niveaux que j'ai fait. Voilà, pour l'instant. Donc là, j'avance, je fais tous les niveaux à 100% chaque fois, et puis ça avance petit à petit. C'est là qu'on voit que Nintendo s'est pas foutu notre gueule. Bah après, là, c'est vraiment bien fait, quoi, quand même. Il y a 8 mondes. 7, je crois. Il y en a 6. Où tu dois récupérer, donc... Enfin, en gros, à chaque fois que tu finis un monde, ça t'ouvre un peu plus le château final de Bowser, quoi. Et après, le dernier monde, c'est pour rejoindre Bowser. Et t'as un monde spécial qui n'a que des niveaux hardcore, 5 étoiles. Qui, en vrai, sont pas si hardcore que ça. En vrai, enfin, si. En vrai, c'est hardcore quand tu joues pas trop au jeu de plateforme. Mais en vrai, ça se prend vite en main, je trouve. Et long ou pas, bah, en vrai, il y a quand même pas mal de niveaux, quoi, hein, franchement, hein, en vrai. Hein. T'as même pas fait 30% du jeu. Ah, mais je me doute quand même, hein, je me doute, hein. Faut que tu comprennes, tu nous donnes juste du contenu à des rushs, pense à nous, t'inquiète. Ouais, Tomsco, t'inquiète. Hein. Et puis ce qui est bien avec ce jeu aussi, c'est que contrairement aux autres jeux Mario, tu vois, t'as plein de... Bah attends, je vais recommencer le niveau là, mais bah, je peux pas le montrer. Mais en gros, t'as des systèmes de badges que tu récupères et en fait, ça te donne plein de pouvoirs. Genre là, par exemple, là dans ce niveau, je peux flotter, ce qui est pas le cas dans les autres niveaux. Dans les autres niveaux, j'ai un planeur d'habitude qui me permet de planer un peu, bah là, je l'ai pas. En vrai, c'est trop bien parce que chaque niveau a un gameplay un peu différent et t'oblige à avoir un petit peu tous les gameplays pour jouer. Ça j'aime beaucoup, là où par exemple dans les derniers Mario 2D, bah c'était littéralement tout le temps le même gameplay du début à la fin en fait. Tu devais toujours rechercher les 3 pièces étoiles de chaque niveau et c'est tout, tu vois, t'avais pas de sortie secrète dans la plupart des niveaux. Là t'as des sorties cachées dans presque tous les niveaux. T'as du gameplay différent dans tous les niveaux, c'est ça qui est cool. Et puis tu choisis toi-même ton gameplay, c'est ça qui est cool en fait. C'est que si t'aimes pas... Ok, attendez, hein, bougez pas, parce que là j'ai le... Là j'ai l'antigravité là. Si t'aimes pas par exemple ce gameplay là, bah t'es pas obligé de l'utiliser dans les niveaux en fait. Tu le désactives. Tu choisis toi-même ton gameplay quoi. Et c'est ça qui est vraiment cool. Hein. Et puis en vrai les niveaux sont pensés à tout le monde parce que t'es pas obligé de finir tous les niveaux pour finir le jeu.
Par contre, t'es obligé d'en finir quand même quelques-uns pour pouvoir avancer dans le jeu. Genre, tu peux pas speedrun en mode genre je veux juste terminer le jeu et c'est tout quoi. T'es obligé de chercher un petit peu les détails dans les niveaux parce que pour débloquer les niveaux, t'es obligé d'avoir un certain nombre de pièces. De trucs floraux là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en gros, voilà, de graines comme ça. Et les graines, il y en a qui sont cachées dans les niveaux. Donc, t'es obligé de fouiller un petit peu les niveaux pour essayer de les trouver et pouvoir débloquer les niveaux d'après quoi. Merci Sorm. Pas déçu d'être revenu. Merci Sorm, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être revenu. Et du coup, c'est ça qui est trop bien avec ce jeu, c'est que là, par exemple, là, il va me dire, est-ce que tu veux équiper ton nouveau pouvoir? Bah non, parce que ça m'intéresse pas. Ah, j'ai 999 pièces, ça. Je crois qu'on est bloqué à 999, ouais. Va falloir que je dépense mes pièces. Regardez, j'ai déjà 999 pièces en haut, donc va falloir que j'aille les dépenser. Mais du coup, tu vois, dans les badges, là, je peux choisir moi-même le pouvoir que je veux. Donc là, d'habitude, je prends ça, le parachapeau qui permet de planer. Là, le saut d'escalade qui permet de faire deux rebonds sur les murs. Ça, dans les niveaux aquatiques, c'est OP. Ça, ça ajoute des blocs en plus. Ça, ça ajoute des pouvoirs en plus, un truc qui va plus vite. Pour le speedrun, par exemple, je pense que c'est ce pouvoir-là qui sera utilisé. Et le ressort qui permet de planer un peu plus, quoi. Ah, mais j'avais même pas vu, d'ailleurs, que t'avais des badges experts... Enfin, t'avais des catégories pour le badge. Badge bonus, badge action. Ah, c'est sympa, en vrai. Tu dois avoir, du coup, 9 badges action, je pense. 9 badges bonus et 6 badges experts. Je pense que ça doit être ça, en vrai. Bon, par contre, le truc, c'est qu'il faut que j'achète des trucs à la boutique, là. Ouais. Donc j'achète des trucs à la boutique parce que j'ai plus de... Bah je suis full pièce quoi en fait. Merci. Donc je vais retourner en arrière. La boutique est là, je crois. Pas trop dispo en ce moment, toujours en puissance de passer sur les lives. Y'a pas de soucis, ma gueule, t'inquiète. Hein. Merde. Je voulais pas revenir là en fait, c'est pas là la boutique. Merde, je me suis trompé, c'est pas là la boutique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça les voit par contre, elle me fout droit à chaque fois. Je me suis juste trompé d'endroit, voilà, c'est pas là. Y'a pas de boutique dans cet endroit? Attends, mais elle est où la boutique? Stage. Je dois sûrement pouvoir la voir sur la carte, je pense. Non, ah non, c'est là. Ah mais non. Je suis passé devant comme un bouffon. Je suis passé devant les gars, voilà. C'est là la boutique en fait. Voilà, c'était littéralement là où j'étais quoi. Ok, donc du coup ce que je vais faire c'est que en vrai, même si ça va me spoil un peu, je vais acheter plein de panneaux parce que comme ça au moins ça va me permettre de les débloquer un petit peu. Voilà, je me fais spoiler, parfait, je ne regarde pas l'écran. Voilà. Je regarde pas l'écran, je regarde pas l'écran. Je me suis déjà fait spoil un pouvoir, c'est pas grave en vrai. Mais vu que de toute façon j'ai plein de trucs, là je peux en acheter énormément des panneaux là. Là je peux en acheter vraiment beaucoup. Et vu que de toute façon je veux faire le 100% des panneaux, enfin des panneaux, vu qu'il y en a 144 à récupérer, bah autant tout prendre maintenant quoi, hein, j'ai envie de dire. Autant en prendre max maintenant. Code bleu éléphant. J'aime beaucoup le jeu honnêtement, hein. Franchement il y a du contenu et en vrai je pourrais y jouer toute la nuit je pense. Franchement. Si demain j'avais pas un événement à 14h, j'aurais joué toute la nuit par exemple, tu vois. C'est ce type de jeu où j'aurais joué vraiment des longues heures d'affilée, quoi. Voilà. Genre vraiment, ça va très très vite, quoi, je trouve, sur ce jeu-là, on va dire. Le big spoil en légende, oui, mais bon, c'est pas grave, hein. S'ils sont tous à 10 pièces, ça fait que 1400 pièces, c'est pas énorme. Bah ouais, mais après, moi, pour le coup, j'explore vraiment tous les niveaux et je récupère toutes les pièces de tous les niveaux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui vont rusher les niveaux. Faut penser aussi que le jeu, il est fait pour tous les publics et si les panneaux, ils étaient à 400 pièces l'unité, à mon avis, c'est chiant quoi. En fait, il faut pas non plus que ça devienne redondant, tu vois, faut qu'il y ait un équilibre. Genre, si les panneaux coûtaient 400, honnêtement, ça serait trop chiant de farmer les pièces en boucle dans les niveaux quoi. Bon, là, visiblement, c'est pas assez cher, mais bon. Ah, tu peux avoir deux fois le même? C'est vrai? Pour l'instant, j'ai eu aucun. Ah, mais oui, putain! Mais oui, vous avez raison en fait! C'est pas des différents à chaque fois! Oh, ah bah j'ai rien dit alors, mais là depuis tout à l'heure j'ai que les mêmes en plus hein. Ok, là j'ai un nouveau. J'en ai déjà 50, ok, 51. Mais oui, d'accord. Pour éviter ça, tu peux acheter dans le monde spécial. Ah, mais attends, fais voir. Je vais monter un peu. Ah non, mais c'est pas là pour monter, je crois, si. C'est où pour monter? C'est là? Ouais, c'est là. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est sympa, et puis même pour faire le 100%, tu vois, c'est des trucs qui sont cool, simples. Non, vraiment, c'est pas prise de tête, c'est vraiment super cool, quoi. Vraiment. Mais je savais pas qu'on pouvait avoir des doublons, ça c'est une bonne idée, tu vois, par exemple. Ok, donc monde spécial, donc le monde des niveaux hardcore. Ah, putain, petit panneau. D'accord, et du coup, là, tu choisis tes panneaux dans l'ordre, quoi. Panneau surprise de Mario. Ah, et là, c'est plus cher, du coup. Ok. Ah ouais, donc faut vraiment quand même dépenser un petit peu. Non, en vrai, du coup, c'est bien dosé, en vrai, c'est bien dosé. Ah, et tu achètes que des panneaux que tu n'as pas, du coup. Ah, c'est pas mal, ça. Ok, calculons, les gars. Calculons, bon je me suis fait spoil tous les pouvoirs, on s'en bat les couilles. Calculons. Ok, ça a l'air vraiment insane board. Merde. Calculons. 30 pièces. Il m'en reste combien là des pouvoirs à avoir? 144 moins 62, ça fait combien? Ça fait 80. Ça fait 80. Il m'en manque 80. 80 x 30, ça fait combien? Ça fait 200...
2400 pièces. Non ? 2400 pièces, ça fait. Il me manque 2400 pièces à peu près. Bon, ça va, allez, ça va aller vite, hein. Allez, ça va aller très très vite, hein, je peux vous dire. Hein. À 4 ou à 5, ça doit être un bordel. Bah, je crois que c'est 4 maximum, je crois. Hein. Ah, j'ai plus de thunes ! OMG. Allez, hey, il me reste, les gars, il me reste 19 pièces. Attendez, on se fait une petite loot box là. Allez, 70. Hey, dites-vous là, regardez, je suis déjà à la moitié des panneaux. Hein. Voilà. Je suis déjà à la moitié des panneaux. Mais ça t'oblige quand même à avoir... Ouais, 2400 pièces, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, 2400 pièces, c'est pas mal quand même. Ça va. Là, il m'en manque plus tant que ça, hein, puisque j'en ai 70. Donc en vrai, ça va, quoi. Je saurais pas dire combien il m'en faut. Je pense qu'il faut que je complète encore deux fois. Faut que j'aille à 1000 deux fois et j'aurai fini, à mon avis. Arène de combat. Alors, tout à l'heure, on avait eu, pareil, une même arène comme ça, où fallait tuer les mobs le plus rapidement possible. Donc je pense que là, c'est la même chose. Et plus tu les tues vite, plus t'as de pouvoir intéressant à la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc je vais prendre l'éléphant parce que l'éléphant c'est le pouvoir le plus cheaté, hein. On va pas se mentir, hein. Non non, c'est pas dur de choisir là, pour le coup c'est vraiment facile. C'est... Ah ouais, sauf avec ça par contre là Ok. Ok, là ça va, c'est facile. Hop, voilà, et là je fais ça. Ok, parfait. Ok, 16 secondes pour le premier, je pense que ça va être comme l'autre où il va falloir que je fasse moins de 70 secondes sur les 3 vagues, hein, parce que du coup j'ai 3 étages, faut que je fasse moins de 70 secondes pour finir le niveau à 100% normalement. Oh, c'est chiant ça par contre ces mobs là. Aïe 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 aïe. Ok. Oh, il y avait des... Oh putain, alors ça par contre ça voyait... Voilà, là, là je risque d'un peu plus galérer dans l'étage d'après. Je sais pas si je vais réussir à faire le 100% du premier coup du coup là. On va voir. Je sais pas, 40 secondes, il me reste 30 secondes je pense pour le finir. Je sais pas si ça va être 60 ou si ça va être moins. Honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir le finir. Ok, il y a 5 frères marteaux à buter. En sachant que là j'ai plus de power up. Ah ouais, ça va être chaud là. Ok. Ok, ça augmente un petit peu la difficulté, ça fait plaisir. Ça augmente un petit peu. Mais en même temps, j'ai un peu trollé là avec les persos là. J'ai un peu trollé avec les mobs. Hein. Mais du coup, je me demande si par exemple, il faudrait pas que je prenne une fleur de feu pour le deuxième. Hein. Si, je sais comment je vais faire, je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire. Là, je vais sortir. Ok, je sors ça en premier. Oh putain, je suis trop con. Et ma mère, je suis trop con. Mais attends, après si je peux leur sauter dessus, s'il faut que je saute sur la tête uniquement... Attends, je vais recommencer. Je suis trop con, je vais recommencer. Faut que je prenne fleur de feu et éléphant, je pense, à mon avis. Comme ça, au moins, les premiers, je les tue à l'éléphant. La deuxième, je les tue à la fleur de feu. Et le troisième, après, c'est les frères marteaux, c'est facile. Donc ça va. Ça va, normalement, c'est ok. C'est pas trop compliqué, je pense. Faut juste pas que je perde mes pouvoirs comme un débile, en fait. Ouais, mais j'ai le temps de ouf. Merde. Ah, j'étais mieux tout à l'heure. Hein. Ouais, oh là là. Oh bah alors là, c'est encore pire que tout à l'heure. Oh bah je vais recommencer, je pense. Hein. Ouais, je vais recommencer. Je vais recommencer. Je vais vraiment faire le meilleur temps possible, comme ça au moins j'y retourne pas. Putain, j'avais fait un bon essai au début et là je galère un peu connement. J'aimerais bien finir le monde 2 à 100% avant de cut, en vrai. Comme ça au moins on se garde le 3 et le 4 pour vendredi prochain. Et comme ça, bah tout logiquement, les mondes d'après pour... Je pense qu'en vrai, je vais mettre 4 lives pour finir le jeu, je pense. 4 semaines, à mon avis. Oh, alors là, oh, le carnage que je viens de faire, là. C'est pas grave, nique. De toute façon, j'ai plus besoin de l'éléphant. Voilà, j'ai plus besoin de l'éléphant, c'est parfait. Et je pense que je vais mettre 4 semaines pour le finir au rythme de 2 mondes par live, je pense, à mon avis. Après, s'il faut que je stream 6 heures au lieu de 5, je pense que je ferai ça. Ok. Donc là, c'est facile, je vais me mettre au bout. Là, et là je fais ça. Ah putain, mais ils tombent comme ça en plus, les bouffons. Ok, ah, c'était pas exactement ce que j'espérais. En vrai, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus facile, entre guillemets. Bon, l'avantage c'est qu'en vrai j'ai 5 secondes d'avance sur mon tas d'avant, et en plus de ça, j'ai un power-up parfait pour tuer les frères marteaux. La fleur de feu, c'est le meilleur. Oh, c'est chiant, la vie, ça.
Ok, je vais taper dessous. C'est pas grave, en vrai il m'en reste 2 à buter, normalement ça va le faire. Et voilà, parfait, 47 secondes. J'espère que c'est pas moins de 50 hein, qu'il faut faire, Barentin. Bon, j'étais plus qu'en avance, je pense. J'étais un peu en avance. 49-65. J'étais bien. J'étais vraiment bien, là. Moins d'une minute, sub une minute. Parfait. Parfait, c'est bon, parfait. Tu dois faire quoi sur ce niveau? Fallait que je tue tous les mobs le plus rapidement possible, en fait, Kelly. Incroyable l'eau sur les persos pendant la pluie dans les niveaux. Ah, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Ça, je l'ai fait. Bah du coup, il me reste que ce niveau-là, je crois. Non, j'ai fait tout le reste, il me semble, là. Ça, je l'ai fait. Ah non, j'ai pas fait celui-là. J'ai pas fait Perche Célestin. Et oui, je savais pas que je pouvais les taper dans dessous, les frères marteaux. Bah ça change tout, hein. Une fois que tu sais comment tu peux les tuer, c'est pas mal. Hein. Alors, Perche Célestin. Donc ça, pareil, c'est un niveau qui a l'air... Enfin, c'est un niveau simple, quoi. C'est un niveau un peu bonus, on va dire. Par contre, il doit quand même y avoir des trucs cachés, non? Ah non, y a rien de caché. Bon, d'accord, ça va être vraiment très très vite vu, hein. Oh merde, par contre, ça c'est pénible, ça, tu vois. Merde. Ça c'est pénible, par contre. Hop là, parfait. Nickel, ok, niveau facile. Très simple. Eh ben, c'est bien, on avance. Tu as combien de graines là? Eh, j'arrive pas loin de. Je dois être à plus de 50 là, non? J'ai même pas fait gaffe combien je suis. Ah, mais non. Ah non, mais oui, mais non. Ok, mais c'est les niveaux par. Ok. Je pensais au total. Hein. Ouais, c'est ça, je suis à plus de 50 au total. Hein. 4 plus 35 plus 20 plus 9. Hein. C'est pas mal quand même en vrai. Hein. On en a récupéré un petit peu. Bon bah let's go, hein. Vas-y, on va open ici. En plus, ce qui est bien, c'est que en vrai, t'es obligé de fouiller dans tous les mondes de tous les niveaux. Enfin, de tous les niveaux de tous les mondes. C'est-à-dire, tu peux pas farmer à mort les niveaux au niveau 1, quoi. En gros, au monde 1. Genre, t'es obligé de fouiller au niveau 2 parce que le compteur est reset à 0 à chaque monde, quoi. Le compteur de graines prodiges là qui te permettent d'avancer. Parce que là, si j'en avais pas 14, par exemple, j'aurais pas pu avancer, quoi. Donc ça, c'est bien, en vrai. Ça, c'est un gros point positif du jeu. En vrai, en étant objectif, c'est peut-être le meilleur Mario 3D, je pense. Hein. 2D, pardon. Excusez-moi, je vous raconte. En étant objectif, en vrai, pour l'instant, c'est hyper bien pensé. Il y a tout qui est nickel. C'est... Pour l'instant, c'est vraiment une masterclass, quoi. En termes de Mario 2D, je crois que c'est vraiment le meilleur, quoi. Je pense pas qu'ils en aient fait un meilleur que ça. À part Mario World, mais bon, ça c'est... Vu que ce jeu s'inspire de Super Mario World, forcément. Oh, je l'ai tué? Oh non, je l'ai tué? Oh non, en fait, je lui fais faire trop d'efforts. Mais attends, mais... Ah non, mais là, il me faut le rebond, par contre, du coup. Ouais. Là, il me faut le rebond, les gars. Sinon, je peux pas... Je peux pas avoir le truc du dessus, là. Ah, ça, par contre, ça, c'est une petite fleur. Alors après par contre si ça sert à rien de... Si c'est pas pour une pièce violette en vrai je m'en balais avec steak en vrai. Ah ça c'est facile ça. Juste faire gaffe. Ok. Ah c'était juste pour ça ça? Ah je suis déçu tu vois. J'aurais espéré qu'il y ait un peu plus. Merci Coles God, on élève les nouveaux jeux, merci pour ça même si je passe pas souvent sur le stream. Bravo mec hein, t'es fier de toi hein. Bravo hein. Oh pétard c'est quoi cette boule? C'est quoi cette gigaboule là? Ah si, je pense que le ressort il va le falloir je pense. Hein. Parce qu'à mon avis là on a forcément raté la première pièce hein, je pense. Hein. À mon avis, je pense que la première pièce elle est bien loupée là. Hein. Je crois qu'il faut le coupa là, non? Ouais, il faut un coupa là pour avancer. Parce que là du coup je balance la carapace sur les petits blocs qui sont là, ça ouvre à droite. Voilà. Ça ouvre tous les blocs. Hop, là je peux passer. Ah j'ai même pas de pièces violettes encore. Parce qu'il me faut les trois. Ah si j'en ai une. Mais attends mais what the fuck. Mais non mais je suis vraiment perdu moi hein. J'allais refaire la même connerie que tout à l'heure. Je vous jure j'ai l'impression que je les vois pas ces pièces violettes hein. Je vous promets hein. Genre je ne les vois pas je pense hein. Ah là va falloir arroser. Va falloir que j'arrose mais je sais pas où. Va falloir que je prenne de l'eau dans ma trompe là. Pourquoi faire. Visiblement, ça a pas l'air d'être là. C'est pour quoi faire cette eau là?
Pourquoi faire ici, je sais pas. Peut-être plus tard, peut-être plus loin, ou peut-être ça ne sert à rien aussi, hein. C'est possible que ça ne serve à rien. Oh, il y a la fleur prodige. Oh merde. Oh merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ce Delbor? Oh la. Je croyais qu'il fallait amener la boule. J'avais pas compris, je pensais qu'il fallait amener la boule. J'avais pas capté, moi. Je pensais vraiment qu'il fallait amener la boule. Mais pourquoi? Attends, mais si ça se trouve, en fait... Non, c'est juste de l'eau ici. Mais si ça se trouve, ça sert juste à rien, cet endroit. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est un truc qui sert à rien. À mon avis, ça ne sert à rien. Ils sont bizarres, les Goombas, quand même. Hein. En vrai, vous trouvez pas qu'ils sont bizarres? Je trouve le design des Goombas est spécial dans ce jeu, hein. On va pas se mentir. Hein. Bon alors. Ça, c'est carré. Ah mais du coup, faut que je fasse attention de pas me prendre une boule sur la gueule, quoi. Ok, je peux les écraser par contre, ça c'est bien. Ok, bon, en vrai, c'est facile, en vrai. Ah par contre, du coup, je peux servir de mur. Oh ouais, c'est masterclass, ça. Ça, c'est masterclass, ça. Mais oui. Ça, c'est un truc qu'on aime, ça. Hop là! Oh non, mais c'est déjà fini! Mais moi je veux rester en Daisy comme ça là! Par contre, moi il va me manquer une pièce là, je pense. Hein. À mon avis, les amis, je pense que j'ai loupé la deuxième là, je pense. Hein. Ou alors elle arrive après. Bien joué! Les fleurs, c'est quelque chose, hein, quand même. Faut qu'on se le dise, hein. Allez, là, la deuxième pièce. Enfin, j'espère que c'est la deuxième. Ah, c'est peut-être pas la deuxième, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, mais là, je suis mort, là, non? Je remonte pas, là, si? Ah, si, je peux remonter, attendez. Ah, c'était la troisième, en plus. J'ai loupé l'autre. Attendez, attendez, je vais remonter, les gars. Une game n'est jamais perdue. Ok. J'ai loupé la deuxième pièce, je sais pas où aller. Là, il y avait rien d'intéressant. Ok, super. Super, super. Là, il y avait rien d'intéressant ici, donc je sais pas si c'est avant ou après. Ouais, je sais pas si c'est avant ou après, là. Je vais retourner en arrière juste pour voir un peu. Je pense que c'est après, je pense que c'est avec l'histoire de la fleur prodige, je pense. Parce que là, j'avais pas eu la... Non, ça sert à rien. Non, donc c'est peut-être avant. Hein. Non, mais avant, il y avait la première, donc ça peut pas être avant. Est-ce qu'elle pourrait pas être cachée derrière un truc, genre là, derrière un nuage? Ça, c'est possible, hein, par contre, qu'elle soit cachée derrière. Hein. Bon, je pense pas, parce que ça serait vraiment un peu bizarre comme cachette, mais c'est possible que ça soit derrière, là. Je vais récupérer ça... Bon, je pense pas en vrai, hein. Je pense pas que ça soit ça. Mais peut-être un rapport avec ça quand même. Mais oui, il y avait ce système d'eau là, mais on doit bien arroser quelque part quand même un endroit, non? Ah mais c'est là en fait, c'est devant mes yeux, putain, je suis un abruti. C'est ici en fait. Mais oui, c'est là. Eh mais si j'ai pas le power-up, je suis mort quoi, en fait, en gros. Elle est devant mes yeux quoi, en fait, là. Y'a pas un power-up gratos là qui traîne? Genre là? Oh, y'a zéro power-up. J'étais obligé de me refaire le niveau là, c'est ça l'idée? Ah, je crois qu'on va devoir être obligé de se refaire le niveau, je crois, les amis. Je crois bien qu'on va être obligé. Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais chercher un éléphant. Enfin, je vais récupérer le power-up de l'éléphant au début du niveau et puis après je vais tracer quoi. Parce qu'en vrai, c'est 100% là que ça, qui me manque la dernière. Hey, je commence à avoir faim moi quand même là. Hein. Je commence à avoir la dalle là. Je commence à avoir faim. Je vais pas trop tarder je pense. Hein. Et ouais, 23h30. Fais voir j'en suis où dans le monde là à peu près pour calculer. Fais voir où j'en suis juste comme ça. Ah, je suis presque au sommet, il a dit. Ah, attendez, si je suis presque au sommet, on va peut-être finir le monde. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?
c'est stylé de ouf. C'est un mini boss. Oh, c'est comme dans Mario 3. C'est comme dans Mario 3. Je suis trop fan. Attends. Oh, il me reste 3 niveaux. En vrai, je vais les faire. Il me reste 3 niveaux et un shop. Je vais les faire, vas-y, je vais les faire. Je vais speedrun ça et je vais les faire. Comme ça, au moins, je finis le monde. On va voir. En tout cas, je vais essayer de speedrun un peu. Là, il me reste 3 niveaux. Je pense qu'on peut les faire. En une demi-heure, je pense que je peux. Après, peut-être que je vais en débloquer d'autres hein, s'il y a des secret exits. Hein. C'est possible. Alors là, par contre, faut que je fasse gaffe juste. Attendez. Hein. Faut juste que je fasse gaffe que je perde pas ce pouvoir là cette fois. Parce que sinon. Ah, mais attends, peut-être qu'il y en a un autre en fait là, non? Non. Putain. J'ai failli me faire écraser avec ce truc. Ok, donc. Si je peux récupérer un autre truc, voilà, nickel. Comme ça, là, hop, je récupère de l'eau. Là, je fais ça. Et c'était pas là. Ah ouais? C'était pas là, du coup? Ah merde. Fallait essayer, les gars, fallait essayer. Fallait tenter. Honnêtement, fallait essayer. En plus, de toute façon, il n'y a rien qui est perdu parce que je respawn juste à côté et j'ai le power-up qui est juste là, quoi. Bon, bah, je crois que je vais donner ma langue au chat hein, si jamais je trouve pas là. Je vais encore chercher un petit peu par moi-même, mais si je trouve pas, je. Je demanderai au chat, je pense. Mais ça m'étonnerait que ce soit là-haut, tu vois. Ça m'étonnerait que ce soit avec la fleur parce que. Ok, il me manque toujours celle-là donc. Ah mais attends, c'est peut-être là-haut, non? Bah non, là-haut, non, c'est pas ça. Ah, moi, j'ai pas envie de la prendre, en fait, là. Oh, merde. Bah ouais, non, parce que ça, déjà, j'ai déjà récupéré tout ça, donc non. Bon, bah allez, hein. Chat, petit indice ou pas? Vous auriez un indice, à peu près? Avant le checkpoint, bloque ta boule quelque part. Ma boule. Avant le checkpoint. Oh putain, super. Ah ouais? Avant le CP? C'est pas le truc du début, hein, c'est impossible parce que forcément, bah sinon ça serait la première, donc c'est pas au début. Faut que je bloque ma boule. Genre faut que je la bloque là-dedans? Bloque ta boule quelque part. Comme ça? Genre? Je vais trouver, hein. C'est pas ça. Ah mais la boule ici. Cette boule ici là. Celle-là quoi. Attendez parce que j'ai pas les pouvoirs là. Ah celui-là il est tendu celui-là. Hein. Ah ouais. Celui-là il est pas facile à trouver celui-là. Ah ouais ouais. Non c'est pas au début hein. C'est pas ici c'est sûr. Hein, parce que sinon bah ce serait la première donc c'est impossible. Voilà, sinon ça serait là. Si c'était la première, ok, je suis sûr que ce serait là. Mais là... J'ai envie d'essayer de la mettre là-bas, hein. Oh, c'était ça. Oh, c'était ça. Eh, c'est dur à trouver, ça, par contre. Hein. Franchement, ça, tu vois, c'est vraiment pas évident à trouver parce que il y a même pas de repère visuel ou un truc comme ça. Ou alors, je l'ai pas vu, hein. Mais en vrai, je trouve, tu vois, c'est pas facile à voir, celui-là. Hein. Franchement, celui-là était vraiment pas simple, hein. Ok, merci. Merci pour l'indice. T'as raté un truc, non? Bah ouais, je suis au courant, mais je veux finir le niveau. Moi, je veux pas m'amuser à faire la fleur prodige toutes les 5 minutes, là, au bout d'un moment. Hop là, non, j'ai pas réussi à l'avoir, mais c'est pas grave. De toute façon, je l'avais déjà eu, donc c'est good. Bon. Allons voir c'est quoi cette forteresse de Bowser, là. Bon, je fais les gars, j'ai vu qu'il y avait 3 niveaux sur la map. Si c'est les seuls 3 niveaux, je fais les 3 niveaux et après je stoppe, ok?
Comme ça, je fais le boss. Et c'est parfait. Mais je pense que... Je sais pas si ce sera les trois derniers ou pas, mais on va voir. Ok. Ah oui, il y avait de la lumière. J'ai même pas fait gaffe, alors. J'ai même pas fait gaffe, tu vois. J'ai même pas fait gaffe. My bad, alors. Dimanche égale banger international. Ah bah ça oui, hein. Ça oui, Dadev, hein. Ça oui. Ça va, du coup, dimanche, je vais devoir me taper du train, en plus. Hein. Dimanche et lundi, je me tape du train, t'imagines. Oh, c'est stylé, ça. Oh, les flammes vertes, comme ça. C'est magnifique. Oh, c'est du scrolling. Oh, c'est comme Mario 3. Ah, ça, c'est des bombes, ok. Enfin, des sortes de feux d'artifice, hein. Ok. Oh, c'est... attends, mais... Et voir comment ça marche, le truc. Ah, c'est triple explosion, c'est pas mal. Et je suppose que je peux les allumer à distance, en plus, hein. Ces machins. Ok, c'est masterclass, ça. Oh, c'est masterclass, ces ennemis. Il y a vraiment des bonnes idées, hein, dans ce jeu, hein, franchement. Hein. Il y a vraiment de très, très bonnes idées. Merde. Ok, c'est parfait. Ok, parfait. Est-ce que j'ai de quoi monter là-haut? Oui, normalement c'est bon, ok. Ah, c'est du scrolling comme dans Mario 3 quoi, c'est incroyable. Les gars, j'aime trop le jeu. J'aime trop le jeu en fait. J'aime trop le jeu. J'aime trop le jeu en fait. Je sais pas si le feu d'artifice ça nous met des dégâts ou pas par contre, hein. Ça... Je suis trop fan du jeu. Vraiment c'est... Je suis trop fan du jeu, le style du jeu, les graphismes, tout est trop bien dans ce jeu, j'adore. Merde. Je vais voir si je le colle tout à droite, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche quand même. Hop là, pas besoin d'attendre les gars. Pas besoin d'attendre. Pas besoin d'attendre ici. On trace. Déjà deux pièces, hein, plus qu'une. J'ai pas envie que ça m'explose à la gueule ce truc. Mais je sais pas si ça m'a... Non, ça me fait pas de dégâts ce truc. Ah ouais. Hop. Alors voyons la fleur, ça donne quoi là? Oh what the fuck. Ah oh, c'est trop stylé. Du coup je suppose que ça pète aussi les trucs. Mais c'est trop stylé. Mais c'est trop bien. C'est trop bien pensé en fait. C'est trop bien pensé. Trop bien pensé. J'ai rien à dire, le jeu est parfait. Le jeu est une masterclass. En fait c'est les jeux Mario mais en mieux quoi, en gros, c'est ça l'idée. Il y a des références de plein de jeux Mario mais c'est à chaque fois c'est mieux que les jeux d'avant quoi. C'est trop bien pensé. Trop bien. Trop bien. Merci Zmite, merci Edward. Merci les amis pour vos resubs, merci à tous. C'est trop bien. C'est trop bien les gars, c'est trop bien. Ce jeu est un banger. Ce jeu est un banger. Et c'est trop bien qu'ils aient attendu aussi longtemps pour le sortir parce que du coup ils nous ont fait un gros banger quoi. Ah le jeu est vraiment trop cool quoi. En plus d'ici la semaine prochaine vous aurez fini le jeu là pour la plupart là. Déjà. Donc vous pourrez me guider en plus. Ah et le retour de ces machins aussi en plus qui peuvent pousser les tuyaux. Ah et les canons à bobombe là par contre ça c'est... Ok. Je sais pas si moi aussi je peux les pousser, je pense que oui quand même mais bon. Ah putain c'était là. C'était là la dernière truc. C'était là. Enfin alors je me retape le niveau. En vrai j'ai limite envie de décéder là, maintenant. J'ai envie de mourir maintenant là. Mais mec c'est la même chose que Mario 3, genre c'est un niveau à scrolling. Non mais c'est des refs à tous les jeux Mario, c'est trop bien en fait. Et là on se tape quoi comme mob là? C'est un mini boss? Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Les gars, je vais mourir exprès, ok? Vu qu'il y a le checkpoint juste derrière. J'ai compris ce que je dois faire maintenant, donc je vais me suicider exprès. Oh non, les gars, j'ai perdu! Comme ça, au moins, je peux recommencer au checkpoint et pas me retaper tout le niveau à scrolling interminable. Ok, c'est celui d'après hein, que je dois... Donc là, il faut que je bute très très vite le frérot, là. Voilà, et là je pousse ça, vite. Voilà. Là je le pousse, il y a le tuyau. Hop. Là je rentre dedans. Et là j'ai la troisième pièce qui me manque, nickel.
Parfait. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? Qu'est-ce que vous voulez de plus hein? Et pour l'instant ce soir c'est la soirée du 100% quand même hein. On en parle pas assez mais tout est fait à 100%. Bon là ça a l'air d'être pas très compliqué en vrai. Va falloir juste balancer, bah, je pense qu'il faut même pas juste balancer les bombes non. Faut juste avancer et appuyer sur le truc de Bowser non. Bah c'était vraiment très simple quoi. C'était vraiment, vraiment archi simple ça. Hein. Par contre c'est stylé en vrai. Par contre ça c'est stylé tu vois. Ouais c'était vraiment archi simple hein, le boss. Hein. Vraiment c'était archi archi simple. T'avais juste à sauter quoi c'est tout. Point. Ah, c'était vraiment simple ça. Bon il reste deux niveaux normalement. Enfin de ce que j'ai vu sur la map il reste deux niveaux et un shop. Sauf que vu qu'il y a un shop j'ai peur que ce soit pas la fin quoi en fait. On va voir, on va voir, on va voir. J'ai vraiment eu la frousse de ma vie, tiens. Oui, ça j'ai capté ça. Ah, c'était vraiment sympa ce niveau, ça fait plaisir les petits rêves comme ça. Oh pétard, c'est pas du tout la fin. Oh les enfoirés. Quoique. Chute sans crainte. Ah, déjà je peux avoir... Nickel, déjà j'ai un nouveau badge, rebond salvateur. À chaque chute dans un trou, un marais toxique, vous rebondirez une seule fois automatiquement. Attends, ça c'est vraiment cheaté ça. Attends, c'est cheaté un peu ça, je reconnais. Par contre, j'ai une... Ah ouais, il me faut 100 pièces par contre, hein, pour l'avoir ça. Ok, bah vous savez ce qu'on va faire. Je vais essayer de faire les deux niveaux rapidos là. Difficulté 2 et 3 étoiles. Et ouais, au pire, je me garde le château pour la prochaine fois. C'est pas grave, de toute façon, ça changera rien, je pense. Hein. Au pire. C'est que j'ai pas trop envie de tarder parce que j'ai pas envie de me coucher tard vu qu'il faut que je me lève encore tôt comme d'hab. Ah c'est du scrolling encore. Attends c'est énorme ça par contre. Attends je peux agrandir mon vaisseau. Ah ça c'est stylé par contre hein, comme mécanique ça c'est sympa. Ah mais parce que les plateformes se... Ok se désintègrent au fur et à mesure. D'accord, c'est pour ça qu'il faut que je me bouge en fait, d'accord. Aïe, ça c'est chiant parce que du coup, il faut que je tape dessous du coup pour les réactiver maintenant. Ah ouais, mais c'est trop chiant en fait. Non, il me faut le... Non, il me faut l'éléphant là pour ce niveau. Je peux me baisser? Ok, je peux faire moins de 1 pixel, c'est parfait. Ok, parfait, la deuxième pièce, nickel. Impeccable. Ah peut-être qu'en fait non elle se désintègre pas en fait. C'est peut-être juste Ah si elle se désintègre. Mais en fait c'est bizarre parce que j'ai l'impression que certaines se désintègrent parfois et certaines se désintègrent pas. C'est bizarre un peu quand même. Oh là je pense les gars que... Ok. Je pense qu'il va juste falloir faire la plateforme la plus grande possible à mon avis. Ok j'ai parfait. Par contre, il est où le frérot là qui a eu ma pièce hein. Ah c'est bon, il a juste eu OK comme ça. OK, putain j'ai failli tomber dans le vide. Enfin j'ai failli rater la pièce. Bon le niveau a l'air quand même relativement facile là hein, pour le coup là. OK ouais non là c'est très facile, OK parfait. En vrai on a tout fait à 100%, c'est nickel, j'espère qu'il n'y a pas de sortie secrète, on peut tracer. En vrai j'ai peut-être moyen de faire le... Peut-être moyen de faire le château ce soir là, si c'est des niveaux qui prennent 2 minutes comme ça, j'ai peut-être le temps de faire les deux prochains. Hein. Attends, parce que c'est pas fini encore. Ouais, s'il me manque juste... Non, j'ai pas l'impression qu'il y a une sortie secrète. En tout cas, je vois pas... S'il y a une sortie secrète, je vois pas où elle pourrait être. Oh non, c'est chiant ça. Ok, c'est bon. Oh là là, pétard. J'aurais pas aimé le refaire ce niveau, tu vois. Les semi-scrolling comme ça, c'est... C'est pas des trucs que j'apprécie énormément dans les jeux Mario, donc non, non. Ok, stage terminé. Let's go, let's go. Ok, ça part. Bah, il me reste un niveau avant le château, visiblement, donc... Il y a peut-être un truc qui va se débloquer en haut à droite, en haut à gauche. Hein. Donc si, il y a peut-être un truc qui va se débloquer. C'est peut-être un défi ou un truc comme ça qui va se débloquer. J'essaie de speedrun un peu, décompte céleste. Hein. On va essayer de speedrun un petit peu, on va voir. N'empêche, c'est trop cool qu'on puisse jouer avec Daisy, j'adore. Ah, c'est des plateformes comme ça, ok, d'accord. D'accord, et après le compteur revient, du coup, je suppose... Oh, des nouvelles plantes piranha, incroyable! Alors non, c'est pas des nouvelles plantes piranha, je crois. Je crois que ce truc-là existe, mais genre dans un vieux jeu Yoshi, je crois.
Genre dans, dans l'un des premiers Yoshi's Island, je crois qu'il y a un truc qui ressemble à ça. Oh sa mère. Par contre c'est... En vrai ça c'est cool tu vois, ce genre de niveau de plateforme c'est cool en vrai, ça apporte un petit peu de défi, c'est sympa ouais. Hmm. Masterclass là les gars. Ah ouais, grosse masterclass là. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse là? Ouais. Fallait que j'envoie le pot sur les trucs du haut. Ah j'ai pas compris là ce qu'il fallait faire. Attendez, attendez, je speedrun parce que voilà, mais mais là j'ai pas capté là ce qu'il fallait faire. Là franchement, attends, je vais retester parce qu'il y a un pot qui est ici, normalement le pot. Ah mais attends, au pire. Et si je l'envoie en haut? Ah c'est ça putain, fallait juste, voilà c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça, fallait l'envoyer en l'air. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me suis dit au pire je prends le pot pour sauter au-dessus tu vois, mais non non c'était... C'était pas ça. Ah mais c'est le nombre de fois que tu sautes dessus. Ah d'accord. Ah bah ça va, moi je croyais que c'était le temps en fait que tu restais dessus. Mais non mais ça va, c'est bon, large alors. Ouais alors large par contre pas comme ça quoi. Oui non mais c'est bon tranquille alors. Ça va, c'est pas si dur que ça en fait. Si le temps il remonte en plus, c'est pas si dur que ça. Ah mais par contre j'ai eu la deuxième, il m'en manque une par contre. Ah, malaise. Gros malaise là, tu vois. Oh pétard. Ok. Et si je pète ça là? Ah mais attendez. Ah non mais ok, bon ok, c'est juste là en fait. C'est juste littéralement dans le tuyau quoi en fait. Ok. Là j'étais en train de me dire, est-ce que je peux sauter en fait sur les sortes de pépins que les plans piranhas nous envoient en fait? Je me suis dit peut-être que ça doit être ça. Mais non, je pense que ça te tue si tu sautes dessus. J'ai pas envie de tester, je pense que ça nous tue. Ok. Ok, nickel. C'est vraiment cool le jeu. Franchement, il est vraiment super cool ce jeu. 100 fois mieux que Mario... Mario Deluxe, hein. Franchement. Hein. 100 fois mieux, vraiment. Hein. Et pourtant, j'ai fait que le début du jeu, hein, mais c'est masterclass, quoi. Juste une grosse masterclass. On va peut-être récupérer ça, non, quand même. Ça va quoi ces plateformes? Quoi ça sert ça? Ah putain c'est pour faire ça, pour récupérer le nuage de la qui tue, mais oui. Merci Gomme Rouge, le jeu est sublime. Ah mais complètement hein. Franchement je suis sublimé par le jeu, hein, c'est incroyable. Hein. Oh c'est trop bien! C'est trop bien. Encore une bonne idée, hein, voilà, encore des bonnes idées tout le temps. À chaque niveau il y a des bonnes idées. Tout le temps. Chaque niveau t'as un gameplay différent, c'est juste trop bien en fait. Ah par contre j'ai raté le... Non, je veux ça, voilà. À chaque niveau t'as un gameplay différent, c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Ça change complètement ton gameplay, tous les niveaux, c'est vraiment trop bien foutu quoi. Ok donc il me reste une fleur à obtenir. Une fleur... une pièce pardon. Et je pense qu'il va me falloir la qui tue, je pense. Donc la qui tue de mort, tu vas venir me donner ton nuage. Hop là. Ouais, jusque là c'est ok. Parfait. Ok, j'ai chopé une étoile. Bon, j'aurais pas voulu... C'était pas une étoile que je voulais choper pour le coup. Ah. Est-ce que ça passe si je fais le saut là-bas? Oui, ça passe. Ok, en vrai, j'ai une idée pour le pour la fin là. Ah merde. Ah, oh, j'ai pas le nuage de la qui tue là. Ah
Ah, parce que j'allais dire, il me faut le nuage de là qui tue, en fait. Ok, et comment je le chope maintenant là? Oh, je peux pas le choper. C'est une catastrophe, hein. Oh putain, c'est une catastrophe, hein. Et au pire, nique sa mère. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Ah, mais attends, peut-être que si, hein, tu peux sauter peut-être sur les trucs, hein. Attends, j'ai envie d'essayer un truc. Oh, j'ai envie d'essayer. Mais attendez, mais sinon. Non, mais attends. Attendez, attendez, attendez. Non, mais on n'a pas besoin, en fait. On n'a pas besoin de ça. Non, je l'avais! Juste la deuxième bulle, elle a pété. Non, je suis dégoûté, frère, je l'avais. J'avais pas besoin de me faire chier, en fait. Je l'avais, le drapeau. Avec le truc des bulles, t'as même pas besoin de te faire chier. Le truc des bulles, c'est OP. Non, je suis dégoûté, frère. Je suis dégoûté. Je vais me retaper le niveau, c'est pas grave. Oh, ça, hey, ça a failli être incroyable, en vrai, hein. Ça a failli être insane, les sons sont incroyables. Oui les Lilou, en vrai, mais le jeu est trop bien, hein, franchement le jeu est trop bien. Bon bah faut que je refasse le niveau du coup, hein. Faut que je refasse le niveau, j'ai pas eu le drapeau parfait. Après je fais le défi, je fais le château et j'arrête après le château, ok? Comme ça au moins. Comme ça il me reste les deux, il me reste un niveau à faire là, c'est parfait. De toute façon je vais speedrunner là le niveau, ça va être très très vite parce qu'il faut juste que j'aille au bout. Surtout maintenant je sais comment faire pour la fin, là je vais faire avec les bulles. Donc c'est pas compliqué. Sinon si j'arrive à avoir le nuage, ça peut être sympa en vrai là, le nuage pour voler. Hop. Ah, il est trop bien ce jeu. Non mais vraiment il est trop bien, c'est... Quel plaisir de jouer à ce jeu, hein, vraiment. Hein. Puis en plus il est vraiment détente, adapté pour tout le monde, enfin vraiment c'est... Typical jeu vidéo parfait quoi en gros. Dans le sens où tout le monde peut y jouer même si t'es pas bon au jeu de plateforme, même si c'est pas ton type de jeu, bah tu peux quand même y jouer et t'amuser parce que les niveaux sont pas durs mais si jamais tu recherches de la difficulté, bah t'en as aussi si tu veux. Mais t'es pas obligé quoi, en gros. C'est ça qui est dingo en fait. Hop, allez, on se barre de là maintenant. On se casse. Moi, je m'en vais. J'ai pas le temps. Ah bah si, en fait, j'ai le temps, je crois, en fait. Si, en fait, finalement, j'ai le temps, je crois. Je crois que j'ai le temps, finalement. Me semble bien que j'avais le temps, je crois. J'avais rien de prévu, je crois, après, de toute façon. Par contre, c'est pénible, en fait, du coup, ce truc. Parce que du coup, tu dois vraiment péter les Eris avant qu'ils arrivent, quoi. Allez, dégage. Ah voilà, ça dégage. Oh les bâtards. En vrai c'est long quand t'as pas de nuages de là qui tue quand même. Hein. Allez hop. Parfait. Parfait. Nickel. Voilà, moi c'est ce que je voulais. Ouais non, je crois que les pics ça te tue. Hein. Je pense que les pics ça te tue à mon avis. Mais même ça, je peux pas les péter. Ah mais l'enfer de zinzin, quoi. Ouais, non, vas-y, hein, je vais pas jouer le risque, hein, c'est pas grave. J'aurais pu gagner masse de vitesse avec les bulles. Oh, oh, oh. Ben voilà, même pas besoin de se faire chier. Allez, hop. Même pas besoin de se faire chier avec les bulles. Hop. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour ce drapeau. Masterclass. Bon, je crois que j'ai un défi à faire, j'ai le château et après j'ai fini. J'ai fini le monde 2 normalement. N'empêche, hé, j'ai joué 5 heures, j'ai pas vu passer les 5 heures. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de jeux où je vois pas passer les 5 heures. Genre quand je joue à Minecraft, au bout de 5 heures, je sais que j'ai joué 5 heures à Minecraft. Hein. Tu vois, c'est ça le truc. Hein. Je sais que voilà, j'ai joué 5 heures, c'est bon, j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de jouer autre chose. Quand je joue à Rocket League, au bout de 2 heures, j'en peux plus déjà. Là, j'ai joué à 5 et j'ai joué 5 heures, je pourrais réenchaîner 5 heures à nouveau, je pense. Mais en vrai, c'est bien parce que. C'est bien de pouvoir aussi en garder pour la prochaine fois, je pense, pour pouvoir profiter plus longtemps du jeu aussi, parce que c'est ça qui est cool dans un jeu comme ça, c'est de pouvoir en profiter pendant longtemps. Donc c'est cool. Comme ça, vendredi prochain, on continuera ça, après avoir fait le château, là. Et ouais, si on arrive à faire deux mondes par stream, c'est pas mal. Comme ça, ça me fait deux mondes, parce que vu qu'il y a 8 mondes au total... Ah non, il y en a 7, je crois. Non, oui, non, il y en a 8 avec le... Oui, non, il y en a 8 avec le... Oui, oui, non, avec le monde spécial, en fait. Il y en a 6... Pour avoir les 6 trucs, 7 avec le monde de Bowser et 8 avec le machin. Oh putain, 4 étoiles le palais. Ah ouais. Je m'y attendais pas. Alors là, difficulté 4 étoiles, je m'y attendais pas. Ok, bah sympa, vas-y, on va voir. Eh mais regardez, rien que tu vois, rien que... Regardez comme c'est le jeu est beau en fait. Regardez juste comme le jeu est beau en fait. Franchement, c'est beau. Pour un jeu Switch, c'est très beau. C'est les graphismes qui collent parfaitement à l'univers Mario. C'est super stylé quoi. Ah, ça c'est ce qu'on aime. Est-ce que je peux les mettre en bulle? Oui, je peux les mettre en bulle, ces machins-là.
Est-ce que les flammes, je peux les mettre en bulles? Ah, je peux éteindre les flammes avec les bulles. Ça, c'est bon à savoir, ça. Mais les bulles, c'est tellement cheaté, mec. C'est tellement cheaté. Ok, déjà une pièce. Si on m'avait dit que je commençais le dérush par ce poulet, j'aurais signé plus vite. Je le trouve vraiment incroyable. Il m'a donné envie de me remettre à jouer au jeu Super Mario. Non, mais vraiment, hein, il est incroyable ce jeu. What the fuck, hein. C'est le meilleur Mario qui s'est sorti, enfin en 2D en tout cas, depuis un petit moment. En fait, les idées sont trop bonnes, c'est ça qui est cool. Et puis à jouer, même, il est trop cool en fait. Ça se voit, disons que ça a été fait par une équipe de développeurs qui avait le temps, quoi, qui était pas pressé par le temps. C'est ça qui est ouf, hein. En tout cas, je le posterai sur ma chaîne de rediff, hein, ça c'est sûr. Hein. Je pense qu'en fait, tu peux sur la chaîne de rediff, on fait genre un monde, une VOD, je pense, hein, en vrai. Hein. Je pense qu'on va faire ça, hein. Ah, comment je récupère ça, là? Ah! C'est trop bien pensé, putain, c'est trop des bonnes idées. Tu vois? Le jeu est bien game designé. Et mais regarde, encore un truc trop bien! Genre encore un truc d'ombre chinoise là comme on avait la dernière fois. Ça pareil, hein, c'est masterclass, hein. Avec la musique qui ralentit, enfin qui diminue, non c'est trop bien. Après moi je suis un grand fan des jeux Mario donc forcément je suis pas forcément objectif. Hein. Mais j'avoue que j'avais été vraiment déçu par les derniers New Super Mario Bros. Ça me saoulait, c'était tout le temps les mêmes jeux. Et ben là pétard, je suis vraiment content, hein, punaise. Je suis vraiment très content du jeu. J'allais dire très content de l'achat, mais j'avais oublié, en fait. J'avais oublié, Nintendo, pardon. Excusez-moi. Y'a rien ici. Ok, y'a rien ici. Par contre, j'ai qu'une pièce, hein, par contre. Hein. Ouais, j'ai qu'une pièce, hein. Ouais. Je pense qu'il faut rentrer là-dedans, non? C'est bizarre que j'ai pas plus de pièces que ça, par contre. Ça me fait un peu peur, tu vois. C'est bizarre, hein, que j'ai pas de pièces violettes, là. Ça me fait un peu peur pour l'instant, là. Merci pour ces euros de plaisir. Je crois que je suis seul sur la fin de live, donc je te demande à toi, mais pour tout ce qui est chaîne de rediff ou autre, pas besoin de nous pour les timecodes, tu le fais tout seul. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, ça, on gère, hein. Non, non, t'inquiète, mec, hein. Ah, y'a une pièce en bas. Y'a une pièce là en bas. Non, non, ça je gère, t'inquiète. Hein. C'est la deuxième, nickel, j'ai rien loupé. Ah bah elle est là, la troisième. Alors autant... Alors vraiment, les deux, la pièce de flemmard, hein, celle-là. Hein. Ils ont eu la flemme de s'en occuper, ils ont dit... Oh, c'est bon, ça nous saoule là, hop. On va la mettre là, c'est bon. Hein. Hop, le petit frère marteau, ça dégage. Hop, non, non, non. Hop là, tout dégage. C'est trop bien, c'est trop bien, j'adore ce jeu. C'est un super jeu de plateforme en plus. Ah, ça va être long d'attendre jusqu'à la semaine prochaine pour rejouer, hein, je vous le dis. Hein. Heureusement que j'ai des trucs à faire cette semaine. Hein. Heureusement qu'il y a le Nuzlocke avec Jimmy aussi. Mais en ce moment, quel poulet les lives, putain. J'ai jamais été autant heureux de jouer à ce genre de jeu en stream qu'en ce moment, tu vois. Franchement. Mon rêve qu'à terme, dans quelques années, on... Bon, évidemment, on continue Minecraft, mais je veux dire, mais qu'on fasse plus de ce genre de live et que ce soit... Et que ce soit plus apprécié par la communauté, quoi. C'est ça, le truc. Hein. Vous avez grimpé juste ici pour jouer avec moi? Ça a pas dû être facile, alors je vais être gentil et jouer avec vous. On va jouer à se faire peur. Alors, la dernière fois, tu m'as tellement fait peur, mec. Ah, mais là, par contre, attendez, je viens de capter, mais j'ai pas l'éléphant, par contre. Hein. J'ai pas l'éléphant, cette fois. Ah, mais ça, ce pouvoir est trop cheaté. Hein. En fait, avec ce pouvoir, legit, tu peux rester en l'air tout le temps, en fait. Littéralement. Ce pouvoir est trop fort. Ah, ça c'est trop beau par contre. Hein. En plus, ça glisse là maintenant. Regardez, il peut pas me toucher, frère. Je suis tout le temps en l'air. Il peut jamais me toucher. Dès que je touche le sol, je rebalance une bulle et je retourne, c'est bon. Ok. Ah, c'est trop fort. Oh, et là, ça va être quoi? Ah, oh, c'est un truc de, un peu de... Ah, c'est un truc où en fait... Ah, ok, on est juste attiré en fait. On dirait un sorte de truc de miel un peu. Ah, c'est... J'aime bien. On dirait du miel. Ça aussi, c'est une référence à... ça aussi, c'est une référence à un boss, ça, dans Mario World. Ça aussi, c'est une référence. Ouais. Y'a que des références à Mario World, de toute façon.
Bon, c'est combien de coups que je dois lui mettre par contre là? C'est trop cheaté ce pouvoir. C'est trop cheaté ce pouvoir. Allez, oh, c'est pas fini, pardon. Merci Renego. Renogo, pardon. Merci Renogo pour les 8 mois de sub. Et voilà, c'est terminé pour le monde 2, normalement. Bon, et par contre, les boss, ça a pas changé. Hein. C'est toujours aussi facile. Hein. C'est toujours les mêmes boss et toujours aussi simple. Hein. Ça, ça n'a pas changé. Hein. Par contre, le boss dans la petite forteresse, je l'ai trouvé vraiment original pour le coup, tu vois. J'ai vraiment apprécié le petit boss, il était vraiment sympa. J'ai vraiment apprécié. Et GG, merci à tous. Première fois que je kiffe regarder du Mario. Mais mec, le jeu est trop bien en fait, le jeu est trop bien. Est-ce qu'en refaisant les mêmes niveaux, le truc de la fleur bleue il change? Genre si tu refais le niveau, tu seras encore en ombre chinoise? Non, oui, oui, non, en fait c'est une fleur bleue différente par niveau quoi. Et souvent t'as des trucs originaux, comme là par exemple, bah, t'avais le truc des ombres chinoises. D'ailleurs on a eu, dans le monde 1, un niveau qui était spécialisé entièrement en ombre chinoise. C'était incroyable. C'était trop beau, j'adore ce genre de niveau. Et à chaque fois, on a des nouvelles fleurs, quoi. En fait, le truc de la fleur bleue, comme tu dis, là, de la graine, bah, en fait, dans chaque niveau, c'est un truc nouveau, donc c'est trop bien, en fait, c'est trop bien. Ils ont... Je sais pas où ils sont allés trouver toutes leurs idées, déjà. Mais là, dites-vous qu'en deux mondes, j'ai vu plus de trucs originaux que dans les 4 derniers jeux Mario qu'il y a eu, hein, en termes de jeux Mario 2D, hein, je veux dire. Hein. Par contre, les speedruns de ce jeu, ça va être une pure dinguerie, ouais, je suis d'accord. Les speedruns du jeu, ça va être une dinguerie avec... Enfin, surtout, ça va, à mon avis, ça va être un mort joué avec le pouvoir là de la bulle et avec le truc qui permet d'aller super vite parce que t'as un badge qui te permet de tracer. Mais à mon avis, les speedruns de ce jeu, je pense que vraiment, ça va être ultra skillé, je pense, sur ce jeu. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le jeu à 100%, je me ferai un speedrun, entre guillemets, du jeu. Je pense que je me ferai un speedrun du jeu 100%, je pense. Genre vraiment. En un seul live, j'essaierai de finir le jeu à 100% d'un coup, vu que je connaîtrai après le jeu. À mon avis, vu que je le connais après, tu vois, ça va vite, quoi, après. Et comme ça, je mettrai un temps sur speedrun.com. C'est pour ça que j'ai envie de le finir en live, comme ça, au moins, vous l'avez vu, et puis après, hop, je me casse, quoi. Oh, on est de retour aux îles florales, du coup. Ah oui, ça va débloquer à droite, c'est ça? Oh, graine royale, fais ton œuvre et chasse un des vilains nuages piranha. Et ouais, et du coup, voilà. Et du coup, il me restera 4 mondes à faire pour débloquer le château de Bowser, quoi. Ouais. Et là, ça va enlever le bleu, du coup, c'est ça? Ça va enlever le... Ouais, voilà. C'est ça. Ah, c'est sympa en vrai, tu vois. Et ouais, tu dois récupérer. C'est un peu comme les lunes de couleur dans Mario Odyssey, quoi. Sauf que là, tu récupères les graines. Ah, il est bien ce jeu, hein. Putain. Celui-là, il est vraiment bien. Franchement, autant il y a des jeux sur Switch, j'ai été déçu récemment, mais celui-là... Oh, du coup, c'est quoi? C'est les chutes... Chutes quelque chose, il a dit? Les chutes royales? Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Oh, ça va être trop bien. Enfin, j'ai tellement envie de jouer encore, c'est une dinguerie. Par contre, j'ai pas fini à 100% le monde ou je rêve, là? Ah! Pourquoi j'ai pas de... Ah mais j'ai pas acheté la graine du bazar! Oh c'est une dinguerie frère! J'ai pas acheté la graine du bazar, c'est ça qui me manque! Il me manque juste la graine! Je suis mort! J'ai juste pas acheté au shop la graine, sinon c'est bon, j'ai tout fini à 100% je crois. T'es en train de me dire pourquoi j'ai pas fini, mais en fait c'est bon. Hop! Allez on achète la graine! Ah non, elle est encore au-dessus. Ok, elle est au-dessus. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Hop, tac. Tac. Et voilà, c'est celle-là. Voilà. Et là, normalement, ça va me dire que j'ai fini à 100% le monde. Normalement. Parfait. Nickel. Eh ben voilà, c'est impeccable. Eh ben, c'est trop génial. C'est trop bien. Et en plus, mine de rien, eh... Même le 100%, on l'avance parce que regardez, même les panneaux, on est déjà à 70 sur 144 de récolté hein, quand même, hein, déjà. Donc, je trace, hein, je suis en train d'avancer là. Badge. Badge, il m'en manque beaucoup par contre, mais en même temps, je pense qu'on est au début du jeu, donc c'est normal. Et voilà. Bah, je vais save, en vrai, je vais aller à l'écran titre, on va voir, je sais pas s'il y a un pourcentage ou un truc comme ça, peut-être sur le... Je vais juste me mettre, attendez, vous savez quoi, je vais me mettre devant l'endroit pour la prochaine fois. Du coup, voilà, j'ai fait les deux premiers mondes aujourd'hui, c'est parfait. Deux premiers mondes à 100% plus les niveaux des mondes, du monde spécial, là, pour l'instant. Donc voilà, là, pour l'instant, actuellement, on est sur un 100% pur et dur. Aujourd'hui, j'ai fait les deux premiers mondes à 100%. Donc là, le prochain stream, donc ce sera... Alors, je pense pas que j'y rejouerai avant, malheureusement. Parce que mercredi prochain, il y a le Nuzlocke avec Jimmy. Donc je pense que ça va être... vendredi prochain. Mais en vrai, c'est bien s'il y a plein de jeux comme ça, en vrai, toute la semaine. Vendredi prochain, on fera le monde...
3 et 4 en full découverte. Et alors je suis complètement hypé parce que là on est sur des nouveaux environnements qu'on connaît pas. Là on a eu la plaine, on a eu le monde de glace, on a eu un peu les nuages qu'on a aussi dans les jeux Mario. Là je suis doré, je sais pas ce que c'est. Et le monde 4, ça a l'air un pur banger. Donc vendredi prochain ça va être incroyable, enfin en tout cas au prochain stream quoi. Et ouais, merci Volgard. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que la plupart des gens auront terminé le jeu d'ici vendredi prochain. Donc moi, comme ça, je pourrais jouer tranquillou dans mon coin. Et voilà, merci Starpage pour les 14 mois de sub. Quel est ton avis sur le jeu pour l'instant? Pour ma part, c'est un immense kiff. Ah non, mais clairement, le jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable. C'est un très très bon Mario. C'est, pour moi, je pense que c'est le meilleur Mario 2D qui s'est jamais fait. Alors que pourtant, j'ai fait que deux mondes hein, pour l'instant. Mais juste, les idées sont sympas, le gameplay est hyper satisfaisant. Le fait qu'ils aient mis des difficultés de niveau, je trouve ça bien parce que du coup t'as des niveaux qui ont un petit peu plus de difficultés et ça fait, comme disait Jim, ça fait des super longtemps qu'on n'a plus eu de la difficulté dans un jeu Mario. Donc non, c'est vraiment bien fait quoi. C'est vraiment ultra sympa quoi. Bon, on fait voir l'écran titre un peu là. Je resave et après je vais voir l'écran titre un peu. Je pense qu'il n'y a rien sur l'écran titre mais au cas où, histoire de... C'est pour savoir. Hein. Retourner à l'écran titre. Non, le jeu est vraiment trop bien. Hein. Franchement...